Je suis la seule à courir. J'ai été. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver. Qu'est-ce que c'est agréable. Je vais vous présenter nos chroniqueurs, notre invité. C'est vrai qu'en temps normal, je me serais un peu plaint que j'avais pas assez de likes, mais la semaine dernière, vous avez assuré parce que c'est vrai que d'habitude, je dis... Qu'ai-je fait pour mériter ça, oh baby? Ouais, qu'ai-je fait pour ne pas être liké, oh baby? J'aimerais que tu utilises tes doigts pour moi. Petit like, ça ne te tuera pas, crois-moi. Oh, qu'ai-je fait pour mériter ça, oh baby? Ouais, qu'ai-je fait pour ne pas être liké, oh baby? J'aimerais que tu utilises ton doigt pour moi. Un petit like, ça ne te tuera pas, crois-moi. Allez avec moi les amis, okay. On va le reprendre en cœur. Un petit like, ça ne te tuera pas. Un petit like, un petit like, un petit like, ça ne te tuera pas. Eh bien sûr que non, comme petit like, ça vous tuera pas, ça nous fera plaisir. Il y en a eu plus de 26 000 la semaine dernière. Est-ce que vous allez faire mieux que la semaine dernière? Est-ce qu'on va enfin atteindre, parce que je les attends, les oui, les 30 000 likes. 30 000 likes pour ce Aja 173. Il se passe quoi au 130? Bah, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va applaudir nos Ajatrices Ajateurs parce qu'ils sont avec nous. Oui. Et ça, c'est hyper important parce que vous êtes en ce moment même sur la seule émission qui intellectualise le milieu de la télé-réalité et de l'influence. Ouais. Jeff, ravi que tu sois avec nous. On t'a tous connu, on t'avait suivi dans Koh-Lanta Johor, c'était la 14e édition. C'était en 2015, ça passe vite. Wow. Hein. T'étais présenté comme provocateur, comme orgueilleux. Tu avais été éliminé au 29e jour dans cette aventure, donc t'étais quand même un sacré warrior. Par la suite, on t'a redécouvert pour le meilleur et pour toi pour le pire dans Les Anges 8 sur Énergie 12. Tu regrettes cette émission aujourd'hui parce que tu dis qu'elle t'a coûté ta place dans le All-Star de Koh-Lanta. Dylan lui avait pu le faire. Une chose est sûre, tu n'as pas ta langue dans la poche. Tu passeras donc sur le grill de la question qui tue pour nous le prouver. Bravo, Jeff. J'ai hâte, en tout cas, de t'entendre. Ça va, ma petite Jinda? Ouais, très bien. Et toi? Ça te va bien, le petit bandeau, ouais, comme ça et tout? Ouais, ça change un petit peu, écoute. Bah voilà. Ouais, comme Aneya, moins de maquillage. Ouais, moins de maquillage, ouais. Bah, dans la vie de tous les jours, je me maquille même pratiquement pas, donc... Ouais, c'est vrai, je vois ça sur tes réseaux sociaux. Aaron, on a changé de lunettes. Oui, encore une nouvelle paire. Ouais, encore une nouvelle paire. Bon, t'aimes bien? J'aime beaucoup tes paires. Merci, ça. Tu vois le monde en bleu? Oui, c'est ça, en bleu, oui. C'est fabuleux. Et Alexandra, tout de vert vêtu. Petit bonhomme vert, ouais. Ouais, les petites mèches miel. Oui, 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 j'aime toujours. J'adore la tenue. Faut pas que ça vire au roux, mais ça va pour l'instant, parce que j'aime pas trop. Non, voilà. Ça se passe très bien. Sinon, on t'enverra chez Nicolas Waldorf. Voilà, Jeff, est-ce que tu veux connaître le sommaire? S'il vous plaît. Bah, c'est important quand même, le sommaire. C'est le menu, c'est comme au restaurant. Alors au sommaire de ce Aja 173, bien évidemment que nous vous présenterons, que vos chroniqueurs préférés vous présenteront leur mood, leur coup de cœur, leur coup de gueule de la semaine au travers du Up and Down. Ils vous parleront des fins de story snap buzz de Carla Moreau. On se demandera si l'intelligence artificielle, bah, est-ce que c'est pas quelque part un nouveau levier de buzz? Vous pourrez nous répondre. Ils vous parleront aussi de jazz qui a été sanctionné par Instagram et ils se demanderont si le réseau social a eu raison de priver l'influenceuse de certaines fonctionnalités. Ils vous parleront aussi de Fiji qui s'est confié sur l'allaitement. On se demandera pourquoi l'allaitement est un sujet qui divise autant les mamans influenceuses. Nouvelle rubrique, vos chroniqueurs sont armés de leur pancarte magique faite par Pauline, que j'embrasse, pour cette nouvelle rubrique qui s'appelle « Aja m'en tape, Aja m'en tape pas ». On leur demandera tout simplement, voilà, s'ils s'en tapent ou ils s'en tapent pas, que Jessica Thivenin passe un coup de gueule, peut-être, contre la GLC Family, en tout cas ça c'est vous qui le dites. Est-ce qu'ils s'en tapent ou ils s'en tapent pas que Cassandra ait fait un lapsus qui spoil Arnaqueur ou Prince Charmant, la future émission dans laquelle elle sera? Est-ce que vous en tapez ou est-ce que vous en tapez pas que Eva Guénab supprime toutes ses photos en maillot de bain? Est-ce que vous vous en tapez ou est-ce que vous vous en tapez pas que Kim Glo soit angoissée pour la santé de sa fille parce qu'elle a un rhume? Oui, on se posera toutes ces questions. On a des pop-up, en veux-tu, en voilà, puisqu'on parlera du cyberharcèlement de Magali Berda. On se demandera pourquoi, malgré 28 condamnations, dont 14 avec prison ferme, ça vient de tomber, l'agente ne fait pas l'unanimité sur X, anciennement Twitter. Il y a aussi l'ancien ministre, alors ça, écoutez bien. Et j'espère vraiment que vous êtes assis, parce que l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, il se reconvertit en médecin
esthétique, allez-vous être choqué qu'il rejoigne la clinique privée des influenceurs, la clinique des Champs-Élysées? En gros, peut-être qu'un jour, il fera des piqûres à Nabila. On parlera d'Alice, une candidate de We Are Open qui a été virée pour propos inacceptables. Ça s'est passé du côté de l'application OO. Et enfin, on parlera en pop-up d'une nouvelle télé-réalité Super Mytho sur Sixplay. On se demandera si les producteurs de télévision ne deviennent pas en fait des producteurs de contenu. On fera un challenge, bien évidemment, avec toi, Jeff. Je te présenterai des photos de tes anciens collègues de télévision. Tu seras armé de deux buzzers, un buzzer qui te permettra de clasher, un buzzer qui te permettra de complimenter. C'est toi qui prendras le pouvoir. Et enfin, on terminera par un 5 minutes chrono. Aneya, elle a annoncé, elle arrête de se maquiller, elle arrête le maquillage. On se demandera si sa volonté, elle est liée à son appartenance à l'église des saints des derniers jours. On vous rappelle qu'elle s'est mise du côté des mormons. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et elle sera d'ailleurs avec nous pour pouvoir réagir. Et j'aimerais qu'on remercie Salomé Ako, parce qu'elle nous a permis d'être tout simplement présentable face à vous sur ce numéro 173. Vous la retrouvez, notre petite Salomé, sur son compte Instagram. C'est salomeako.makeupartiste. Et en parlant de maquillage, j'aimerais envoyer tout mon soutien et qu'on apporte tout notre soutien à Sandra, qui n'est pas avec nous cette semaine. Sandra, elle traverse une période difficile, elle en a parlé sur ses réseaux sociaux. Voilà, elle fait face à une épreuve de la vie et on lui apporte tout notre courage, plein d'amour. J'espère que tu verras cette vidéo, Sandra. Je vous propose de commencer cette émission 173 avec les Up and Down. Yeah. Et on va commencer par toi, Aaron. Allez, oui, c'est parti. C'est toi qui ouvre les festivités, Aaron. C'est quoi ton mood? Tu vas voir, Jeff, chaque chroniqueur va présenter son mood. C'est soit un up, soit un down. Bien évidemment, tu mets ton grain de sel de partout. Okay, toi, c'est quoi ton état? Moi, c'est encore un down cette semaine. Ah ouais, tu changes pas, toi. Voilà, j'enchaîne un petit peu les downs, c'est vrai. Mais en effet, cette semaine, en fait, j'ai un down pour les stories buzz Snapchat de Carla Moreau. Parce que voilà, elle utilise l'IA pour justement faire plus de clics. Mais avant toute chose, je voulais quand même aussi un peu rappeler ce que c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle qui explose donc depuis plusieurs mois, notamment depuis ChatGPT, et aujourd'hui plein de plateformes aussi, ben voilà, se sont un peu accaparées de cette technologie-là, et c'est, il y a beaucoup de dérives justement, parce que aujourd'hui on peut créer un peu tout et n'importe quoi avec très peu de moyens, et c'est vrai que ça commence aussi à remplacer un petit peu les artistes, les photographes, etc., parce que plus besoin d'eux pour faire du contenu. Et donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui l'IA peut également devenir une nouvelle arme pour duper les followers des influenceurs. Et c'est notamment du coup le cas de Carla Moreau qui depuis quelques jours fait des stories Snapchat complètement mises en scène, complètement montées de toutes pièces. Et en plus, elle s'arrange pour que cette story soit mise en vitrine, c'est-à-dire en fait en couverture de sa story pour que les gens puissent être intrigués et donc cliquer dessus. Je vais donc vous parler de toutes ces photos et on va pouvoir en parler ensemble. Parce que donc ça, c'est quoi? C'est des photos qu'on retrouve à la fin stories Snapchat. En vitrine, c'est ça. En vitrine. C'est ça que t'appelles la vitrine. Oui, exactement, c'est ça la vitrine. En fait, quand tu vas sur Snapchat, tu tapes à Carla Moreau, tu tombes sur une photo, donc tu sais, sa bulle ou sa vitrine un peu verticale Snapchat, tu vois cette dernière photo. Ah oui, genre tu vois ça. Genre, les amis, voilà, c'est ça. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. J'ai les deux traits rouges. J'ai les deux traits rouges et ouais, j'ai pissé dessus. Oui, je peux vous l'annoncer. Mais en fait, c'est complètement fake. Voilà. T'as très bien résumé ce que je voulais dire. Voilà, effectivement. Et donc, Carla fait ce genre de story depuis plusieurs jours. Donc, on va les regarder. Enfin, ce sont des photos, on va les voir ensemble. Sur la première photo, on voit Carla avec une bague de fiançailles. Non, on va la voir s'afficher. Oui, tu peux continuer. Voilà, de parler. Avec une bague de fiançailles, alors que bon, aux dernières nouvelles, Carla n'est pas forcément en couple, elle est célibataire, et c'est vrai qu'après un mariage raté avec Kevin Gage, j'ai du mal à croire qu'elle va se remarier si vite. Alors, est-ce que tu peux expliquer à Jeff pourquoi cette photo, tu la trouves problématique? Oui, alors en fait, Jeff, je t'explique. Là, en gros, déjà, tu vois que ce n'est pas Carla Moreau, c'est une femme blonde. C'est pas elle? Mais si, c'est Carla Moreau. En fait, là, Carla, effectivement, alors c'est sa tête, mais tout l'habillage de la photo, c'est pas elle.
En fait, tu vois, si tu veux, aujourd'hui, sur une IA, tu peux demander à l'IA, voilà, utilise ma tête, mais tu peux mettre le décor avec une bague de fiançailles dans un paysage. Voilà, ou fais-moi manger du homard aux Maldives. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Okay. Donc oui, c'est son visage, mais la photo, en tout cas, de ce qu'on voit, de ce que moi je vois, c'est artificiel. Et bon, on va poser la question comme à Jeff. Sur Insta, notamment, la traîne où ils avaient tous la photo avec, genre, je suis un étudiant des collèges. Exactement. Okay, mais qu'est-ce que t'en penses, à Jeff? Mettre ça en story, est-ce que tu trouves que ça trompe une communauté? Complètement, mais encore plus Carla. Tu sors d'un buzz mais ignoble avec ton truc de sorcellerie, tout ça, et tu te remets dans un bourbier. Ça me fait chier parce qu'elle est marseillaise, mais là, sur ce coup, je peux pas la défendre hein, du tout. Ouais. C'est compliqué, compliqué à défendre, et je trouve ça vraiment bas de vendre encore du rêve sur tes réseaux. Ouais, Jindal, il est pas d'accord. Alors, en soi, il n'y a rien de très grave. Non. Oui, c'est. Enfin, voilà, on fait des vues. On n'est pas bête en fait, on le voit tout de suite que c'est pas elle, on le voit tout de suite que c'est faux, tout le monde le fait, donc moi ça me gêne pas, je trouve ça juste ridicule. Après il n'y a pas mort d'homme quoi. Mais elle pourrait le dire par exemple. Quel est l'intérêt? Au cas où tu captes pas, tu vois, moi je sais pas, alors là je vois pas très bien, mais je sais pas si j'arriverai à capter tout de suite que c'est pas elle ou que, tu vois, je connais pas assez tout ce qu'elle poste et ses habitudes pour m'en rendre compte tout de suite. C'est-à-dire, tu voudrais qu'elle mette quoi, toi? Un message ceci, et tu intelligence artificielle? C'est mon mais ce ne sont pas. Attention, c'est pas mon mec, attention, c'est pas ma bague. Attention, c'est pas des palmiers. Attention, je vais vous arnaquer. Attention, en vrai, je suis dans ma chambre et pas sur une île déserte. Mais en vrai, moi je suis d'accord avec toi, Alexandra, mais en fait, si elle fait ça, du coup, je pense que ça gâcherait sa technique. C'est une nouvelle technique commerciale. Mais elle est malhonnête. Oui, moi, je vais en voir d'autres. Ah, bah oui, du coup, il y en a. Au niveau marketing, c'est bon. Au niveau marketing, c'est bon, mais après, le fond, il est pas bon. Et voilà, exact. Le fond est pas bon. Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas honnête. Et c'est vrai qu'elle s'est pas arrêtée là parce que, effectivement, peut-être que Carla serait en couple parce que on voit aussi, donc, sur une story Snap de Carla, une photo avec son copain. Voilà, on voit également, je sais pas si vous voyez un petit peu de loin, mais sa tête. Excusez-moi, moi, je vois tout sauf Carla Moreau. On voit que sa tête, elle a été apposée sur un autre corps, quoi. Exactement. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, ici, elle a pris une photo qui existait, elle a mis juste sa tête sur le corps d'une autre femme. Elle l'a pas mis, c'est l'IA qui l'a généré. C'est l'IA qui l'a généré. C'est à sa demande. À sa demande. À sa demande. Donc ça veut dire que ce mec, elle a certainement jamais vu. Exactement. Ce mec ben on sait pas. Mais quel est l'intérêt du coup? Mais on sait pas, Alexandra. C'est ça la question. Non, mais pardon, excusez-moi, la principale question du coup, c'est quel est l'intérêt? Parce que du coup, le mec qui est à côté, on sait pas qui c'est. Elle, c'est pas son. Enfin, et le but, et le décor. Et ben moi, je peux donner mon avis. C'est quand même pas incroyable le décor là, c'est une lampe. Alors, moi, je pense que l'intérêt, c'est tout simplement que on voit cette photo en petit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça y est, elle a un mec. Ben je clique, je tombe sur la story, je tombe donc sur les placements de produits. Donc c'est malhonnête. Oui, mais depuis quand ils sont honnêtes? Oui, bah d'accord, mais tu disais c'est pas tellement choquant. Bah si, ça l'est en vrai, parce que c'est malhonnête. Oui, mais... moi, plus rien ne me choque, Jeff. je comprends pas, mais après, le principe de s'inventer une vie juste pour vendre des produits, c'est compliqué. Parce que c'est quand même des produits... La plupart du temps, on en a déjà parlé, mais... Après, moi, je te rejoins, Sam. Ah non, moi, ça me dégoûte. C'est qu'en fait, quand tu vas... quand tu vas sur Snap, effectivement, la photo, elle est en tout petit. Donc, ça veut dire que ça va t'intriguer. Si elle avait été en grand format, bah, t'aurais capté tout de suite. Mais comme c'est en petit, bah, justement, tu vas être intrigué et tu vas cliquer. Et sauf qu'avant ça, il y a 150 stories avant d'arriver à la dernière. À 97%, nos agitatrices pensent que c'est un contenu mensonger et je vais te laisser déployer les autres photos. Oui, parce que en effet, selon ses stories Instagram, donc Carla serait peut-être en couple, sûrement en couple selon ce qu'elle poste, mais aussi enceinte, parce que en effet, Carla serait enceinte de son nouveau copain, comme on voit sur cette photo. Voilà où c'est écrit bonjour. On voit son ventre donc de femme enceinte dépassé. Là, c'est elle aussi. Enfin, c'est elle, c'est son visage, comme tu peux voir aussi à l'image. Ah, c'est pas une vraie photo d'elle quand elle est enceinte. Non, c'est aussi généré par l'IA. Tu penses pas que là, c'est une vieille photo d'elle enceinte qu'elle a ressortie, là? Alors, je suis pas sûr. C'est le cas, hein, c'est une vieille photo d'elle qu'elle a ressortie, on me confirme. Ah, ok. Ah bon? Ah, parce que moi, quand je zoome sur le ventre, ça n'a pas l'air d'être un vrai ventre. Bah voilà le problème. En fait, c'est là, c'est qu'on s'embrouille. C'est là le problème. Il est vraiment là, le cœur du problème. Aaron, on n'est pas sur Twitter, on parle pas de Mila Jasmine, donc s'il te plaît, continue. Merci. Non, mais en tout cas. C'est une blague. C'est n'importe quoi. Mais en blague. En tout cas, c'est vrai que pour moi, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, effectivement, pour moi, Sam, tu as raison. Du sens où, oui, c'est pour générer du clic. Parce qu'en plus, Carla revient sur W9 bientôt. Je pense qu'elle a envie de faire gonfler ses stats. Donc, effectivement, de faire gonfler le prix de ses placements de produits. Mais pour moi, malgré tout, le cas de Carla Moreau prouve bien que l'IA a beaucoup de dérives et que, justement, pour moi, aujourd'hui, l'IA devient une nouvelle technique pour duper, effectivement, ses abonnés. Et rappelez-vous, on avait parlé aussi sur Aja 139 de la technique du buzz phishing. En fait, c'est quand
quand les candidats télé-réalité font des stories où ils vont savoir quelle image mettre en dernier pour en fait, comment dire, attiser, happer leurs followers. On peut effectivement voir les stories de Julien Tanti qui avait fait ça aussi il y a quelques mois. Voilà, où stratégiquement, en fait, il avait fait une story pour que ça génère du clic. Il y avait également le cas de Maëva Guélan qui avait... Oh bah attends, on va l'appeler, la story. La story la story la story Mais là, c'est Maëva. Non, c'est là, pas c'est ça. C'est autre chose qu'on appelle. Merci. C'est un bébé. Voilà, Julien Tanti. C'est donc, des fesses. C'est quoi? En fait, tu vois, mais c'est une paire de fesses là. Non, c'est une tête. Comment c'est le crâne de Jeff. J'étais sûr qu'il allait me sortir ça. C'est vrai, mais tu vois, vous voyez une tête. Bah, si, regarde, Jeff, fais comme ça. Non, après, c'est un papa qui embrasse son enfant et c'est ses deux épaules. Ah, c'est les épaules. Exactement. Ah oui, je voyais pas ça du tout comme ça. Ça, c'est une photo qui tournait. Exactement. En fait, c'est pas l'IA, mais si tu veux, le fond, c'est la même stratégie. Tu vois. En fait, Carla, pour moi, c'est là aussi où c'est un dingue, Carla, parce que du coup, elle crée du contenu mensonger. Donc, c'est pas illégal, certes, mais pour moi, ça reste quand même une façon de duper ses followers. Et eux, c'est aussi une technique d'hameçonnage. Enfin, oui, pour effectivement happer le follower, mais c'est pas du mensonge. En tout cas, c'est pas de l'IA. Ben, c'est l'intention qui est différente. Là, Julien Tanti a juste pris une blague, enfin une photo relativement drôle qu'il a dû trouver sur Google pour la placer. Là, par contre, le cas de Carla, c'était intentionnel. Mais il en a deux dans son sac. Oui, cette phase marketing pour happer les gens. Et il y a également, Maëva Guélan, donc, avait fait une story aussi, qu'elle avait bien placée pour pouvoir générer du clic. Donc, on va également voir à l'image, voilà. Ah, mais ça y est, c'est là. Voilà. C'est sorti de la vidéo, quoi. Et il y avait aussi Hillary, qui est un peu la pro aussi. Ah ouais. Voilà. Hillary, c'est la pro. Pendant un moment, elle a fait plein de stories comme ça. Pareil, test de grossesse. Finalement, elle n'est pas enceinte. Bref. Oui. Pardon, je trouve ça n'importe quoi. Bah, en mais fait, c'est parce que là, moi, je vois même pas que c'est une moi, je vois un test de grossesse sur une photo. Non, mais tu confonds. Là, pour le, ça peut être une vraie photo. Bah, oui. Mais ce qu'il explique, c'est que ces influenceurs-là, ces influenceurs-là, en fait, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou que ce soit avec des photos qui datent, par exemple. Oui, c'est pour générer du clic et être en couverture. Oui, mais du coup, pourquoi l'intelligence artificielle, elle vient rien faire là-dedans sur une photo avec un test de grossesse que tu peux prendre en photo. Enfin, je vois pas l'intérêt. Mais là, il y a pas d'intelligence artificielle. Oui. En fait, si tu veux, c'est la même. Moi, je veux l'avoir partout maintenant. Mais Alexandra, faut arrêter la télé-réalité. Hein. Non, parce que peut-être qu'effectivement, comme ça, c'est comme. Un con. Non, faut pas dire ça non plus. Non, mais effectivement, peut-être que aussi d'autres comprennent pas. En fait, si tu veux, l'intention est la même, d'accord. Placer une story au bon moment pour faire du clic, mais la forme est différente. Carla Moreau crée du contenu de toutes pièces. Julien Tanti, Maëva Guélan ou Hillary, ce sont pas des photos artificielles, mais ce sont des photos qui vont appeler au clic. Voilà. Deux intentions différentes. C'est ça, rien exactement. À voir. Deux créations de buzz différentes. Exactement. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils le mettent stratégiquement à une heure hyper tardive. Mm-hmm. Tu vois, t'as vu ça aussi? Oui. Pour que les gens regardent toute la nuit et attendent le lendemain aussi pour avoir une suite. Pour voir la suite. Merci à vous. Down, hein, c'est ça? C'est ça, oui, hein, down, oui. Bah oui, bah on a bien compris maintenant que les influenceurs utilisaient donc l'intelligence artificielle pour susciter votre intérêt. Jinda, c'est à toi. C'est quoi ton mood de la semaine? Moi, cette semaine, c'est un up. Ouais. Un up. C'est surprenant. Pourquoi ça vous surprend? Bah, je sais pas. C'est vrai que tu multiplies les down. Jeff, ça te surprend que je fasse un up? Je m'attendais à un deuxième down. Je sais pas pourquoi, je te dis la vérité. Je m'attendais à un deuxième down. Mais attendez de voir le contenu de mon up. Ah, voilà. Mon up, cette semaine, il est pour le réseau social Instagram qui sanctionne l'influenceuse Jazz en la bloquant de certaines fonctionnalités pendant 24 heures, comme par exemple envoyer des messages ou encore commenter des stories. Je vous propose dans un premier temps de regarder sa story pour connaître les raisons. Sur Insta depuis hier, donc je peux pas partager des trucs, par exemple envoyer une story ou un réel à quelqu'un. Je peux pas écrire à qui que ce soit, je peux pas commenter aucune story, je peux pas commenter aucun post. Bonjour Léa. Pourquoi? Parce que j'ai insulté une meuf hier. En fait, il y en a, elle me fout le mort. Elle commente des trucs de mes stories, soit par rapport à la palette, soit par rapport à mes lèvres, soit par rapport à mon... Je pense qu'il y en a même qui doivent analyser si je vais au toilette ou non. Hachek. Et en fait, elle m'a saoulée. Voilà, je suis fatiguée. Elle m'a saoulée. J'ai envie de dire en disant que c'était une connasse, c'était une mongolienne. Et je lui ai dit qu'il fallait apprendre la vie, quoi. Ça m'a foutu le démon. Et cette chose m'a signalé. m'a signalé, je suis bloquée sur Instagram. Ça m'apprendra, c'est la preuve que donc les connasses
au lieu de leur répondre, enfin au lieu de pas leur répondre, moi je leur réponds, et au final en fait elle me bloque mon Instagram. Après, c'est des petites sanctions, hein, entre guillemets, qu'on pourrait définir un peu comme un avertissement de la part d'Instagram. Moi, je trouve ça étonnant quand même, quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement victimes, on en parlera tout à l'heure, de cyberharcèlement. Alors, est-ce que quand vous voyez là la story qu'elle fait, là, comme ça, c'est-à-dire qu'elle, en tant qu'influenceuse aux multiples, aux millions d'abonnés, d'accord ? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une personne, une seule personne, ait pu signaler son compte et qu'elle soit, entre guillemets, sanctionnée, avertie, là où quand c'est l'inverse, je sais pas si je suis claire ou pas. Ouais, t'es très claire. En gros, tu la crois pas, quoi. Bah, j'ai des doutes. J'ai quand même des doutes parce que je me dis qu'une personne signale son compte et elle a déjà un avertissement de la part d'Instagram. Je pense que tous ici autour de la table, vous avez déjà fait des signalements pour des comptes parce que pour des insultes ou des choses comme ça, où on dit que on reçoit toujours un message de Instagram qui dit non, cette personne n'a pas enfreint les règles de la politique d'Instagram. Ouais, et là, une insulte. Et hop, elle est déjà... Après, elle dit ce qu'elle a dit à cette utilisatrice des réseaux sociaux. Alors moi, je vais être clair. Ouais. Le fait qu'elle en ait ras-le-bol, le fait qu'elle se fasse insulter sur sa bouche, son arrière-train, etc. Je comprends complètement que ce soit saoulant. Elle le dit en plus. Elle n'est pas du tout énervée. Elle explique en mode, franchement, je suis fatiguée en ce moment. Je l'ai traité de... Bon, moi, c'est le mongolienne, à la rigueur, il passe pas. Parce que mongolienne, ce n'est pas une insulte. Voilà, il faut arrêter de dire ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je me dis que si cette personne-là a capturé la vidéo, l'envoie, fait un signalement avec la vidéo, sachant le passif qu'elle a déjà avec Instagram, avec Snapchat, où on lui a déjà, enfin les plateformes lui ont déjà coupé les réseaux, hein. Rappelez-vous. Est-ce que quelque part Instagram se dit pas, ok, j'estime qu'une influenceuse qui a 3, 4, 5, je sais pas, 6 millions d'abonnés, elle a une responsabilité plus que quelqu'un qui en a 1000, 2000, donc je laisse pas passer ça, hop, je veux marquer une sanction pendant 24 heures, je sais pas. Bah oui, mais du coup, c'est pas cohérent. C'est-à-dire pourquoi, parce que Diaz a insulté, alors oui, ça se fait pas, c'est injustifiable et condamnable, bien sûr, mais quoi, donc elle insulte une abonnée et effectivement, elle est restreinte, mais d'autres qui vont harceler, d'autres qui vont arnaquer, sont pas restreints. Moi, je comprends pas la logique, du coup, de Instagram. Tu comprends pas quoi? Tu comprends pas la logique d'Instagram ou tu comprends pas le fait qu'elle dise qu'elle soit bloquée de fonctionnalité pendant 24 heures parce qu'on l'aurait pas vue? Jeff, t'en penses quoi? Moi, le fait de l'avoir, malheureusement, je pense que c'était une sorte de sursis. Tous les problèmes qu'elle a dû avoir avec les réseaux sociaux, notamment son Snap et son Insta, elle devait être en sursis. Ça devait être une énième plainte. Je pense pas qu'il y en ait qu'une. Je vous rejoins. Malheureusement, c'est de trop, je pense. Ça se passait bien, toi, avec Jazz dans Les Anges. Vous avez partagé la 8e saison des Anges, on s'en souvient. Quelle saison? Il y avait Mélanie Dacruz, Coralie Porovecchio, Neouda, Ricardo, Rémi Preston, Nadège Lacroix. Sarah Frézou. Ouais, incroyable, j'ai passé le terme, mais je crois toujours pas. Mais non, j'ai de très très bons contacts. Enfin, le peu de contacts que j'avais à cette période, j'ai jamais eu de problème avec elle. Je l'aimais beaucoup. Après, elle a explosé le score, elle est devenue l'icône des médias qu'elle est devenue, que je cautionne ou pas. Après, c'est autre chose. Notamment, malheureusement, c'est vrai, quand elle a une force de frappe médiatique et la puissance des réseaux qu'elle a, même si on est sans gang, mais tout ça, on peut plus se permettre d'insulter les gens. Donc pour toi, elle ne pouvait pas se permettre de dire co, mongolienne, tout ça. Tu es une maman. Tu as 3 enfants, tu es multimillionnaire, tu n'as pas besoin de... Non, il faut vraiment que tu sois clairement au-dessus. De toute façon, tu pourras donner ton avis sur tes anciens collègues pendant le challenge. Avec plaisir. Moi, Alexandra et Gilda, reprends la main. Il y a une responsabilité, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est comme un travail, quand tu es à ton travail, tu ne peux pas te permettre d'insulter, de mal parler. Mais ça marche dans les deux sens. Il y a des règles. Oui, mais là, en l'occurrence, elle a une telle communauté qu'elle est obligée de donner l'exemple, et du coup, je comprends qu'il y ait sanction. Voilà, ça me paraît logique. Après, oui, je pense que je rejoins Jeff et Sam. Peut-être que, effectivement, de par son passif avec les réseaux sociaux, elle est peut-être dans le j'extrapole, mais peut-être voilà dans le viseur, il y a peut-être un truc où dès qu'elle est signalée, bah tout de suite alerte rouge. Elle a déjà été sanctionnée, donc attention. Et là, du coup, ces fonctionnalités qu'on lui a retirées, c'est peut-être encore une fois un avertissement pour lui dire. Attention à ce que tu fais. Et en tout cas, on va rester dans les insultes avec cette trend TikTok. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une trend TikTok, en fait, où les parents laissent pendant une minute, ou en tout cas un laps de temps, leurs enfants devant un téléphone. Et ils ont la possibilité, le pouvoir, de pouvoir dire tous les gros mots, tous les insultes qu'ils connaissent pendant cette minute-là.
C'est une trend TikTok. Moi, je l'ai découvert récemment. Trop mignon. Voilà, tu l'as découvert récemment. Alors, Alexandra Radi, c'est trop mignon. Donc, à mon avis, tu vas lui poser une question après. Mais regarde ce que Jazz a décidé de faire avec ses enfants. Et ensuite, tu me diras si tu trouves c'est ça mignon. C'est trop mignon. Je vais sortir, OK? Okay. Vous dites tous les gros mots que vous connaissez en français et en anglais, et dès que je reviens, vous arrêtez de parler, ok? Ça marche? Oui. Sûr, hein? Dès que je reviens, vous parlez plus, hein? Ok? Ok. Ok, je vais dire plus de plat, de plus de cul, de mer, plus de dents. Jeff, est-ce que tu trouves ça mignon? Elle est belle cette trend? Il n'y a rien de mignon là-dedans, à part les petits plus de Noël qu'ils ont. Mais sinon, il n'y a rien de Noël dans cette vidéo. Et pourtant, il n'y a rien de méchant envers Jazz et son mari et tout ça. Mais on ne peut pas cautionner de filmer leur enfant en disant toutes ces grossièretés. J'en dis beaucoup. Mais après, et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que malheureusement, ils n'ont pas inventé toutes ces vulgarités. Ils ont entendu. Ah, oui. Ils ont entendu des parents. Et après, je parle mal, moi, le premier. Donc, je ne vais pas faire genre... Mais quand même, c'est très compliqué d'en jouer et de le mettre sur les réseaux. Généralement, quand ton fils il sait ce genre de truc, tu l'es taqué ou ta fille au direct. Et là, tu en joues pour avoir des likes. Mais il y a des parents, je veux dire, dans notre entourage, on a tous connu des parents, que ce soit une cousine, un cousin, une sœur, un frère, qui pour rigoler quand l'enfant est petit, dit « Vas-y, montre à tonton, non, je parle pas de ma sœur « Montre à tonton comment tu dis !» Et là, t'as qu'on a, machin, et ça fait rire toute la famille, ça fait rire toute la galerie. Mais c'est pareil. C'est en privé, oui. Oui, mais là, en plus, là, pour le coup, vraiment, elle met en scène, elle en fait un petit peu... Enfin, moi, je vois comme une fierté que ses enfants connaissent ces gros mots-là. Enfin, pour moi, c'est pas en famille, c'est pas mignon. Et effectivement, c'est pour faire des vues, et du coup, aussi, je pense, pour faire de l'argent. Alexandra. Oui, quand je disais, en plus, mignon, évidemment que quand on voit la vidéo, c'est pas mignon. La complicité, au début, on s'attend en plus à une séquence un peu sympa avec une maman qui dit à ses enfants, vas-y, amusez-vous. Mais en fait, c'est ça, c'est que ça va banaliser en plus, et dans la bouche d'un enfant, pardon, c'est mais choquant. Ça n'a rien à faire dans la bouche d'un enfant. Et puis après, il l'enregistre, et puis après, surtout, il intègre ça, et il se dit, en fait, c'est normal, puisque ma mère, qui est la référence... Après, c'est pas Jazz qui a créé la trend. Mais non, moi, je vais vous dire la vérité. Mais quand il laisse faire ça, ça veut dire quoi? Je vais juste vous dire la vérité. C'est moi qui ai fait donc le montage, qui ai bipé les mots, etc. Et pendant que j'ai découvert donc la vidéo pendant le montage, enfin, je l'avais déjà vue une fois, mais j'ai souri. Ah non, mais bien sûr. J'ai souri en mode. Je les ai trouvés choux. Ah ouais, mais t'as le droit. Non. Mais je culpabilise. Non, mais au début, mais pas après quand t'entends les insultes dans la bouche. Non, mais après quand j'intellectualise le truc, bien sûr que je me pose des questions. Mais elle est humaine ou pas, cette réaction? Oui, alors après juste pour préciser, oui, c'est une trend, et bien évidemment que Jazz, elle n'est pas la seule à la faire, et il y a sans doute pire, hein, ça, on peut en tout cas se poser la question, encore une fois, de l'influence, de l'image des enfants qui vont rester sur les réseaux sociaux, des répercussions surtout qui pourraient y avoir derrière. Personne se pose la question de ces enfants qui vont ensuite aller à l'école et les enfants qui vont dire « mais on t'a entendu dire des gros mots ». Enfin, on peut pas dire les insultes sur les réseaux, mais il y a quand même du FDP, du NTM, du Nikomou qu'on peut dire, ça va ? Ah, je sais pas si l'algorithme comprend. Ah, pardon, c'est en arabe. En tout cas, voilà, ils sont plus que bilingue, hein, parce qu'ils ont fait français, anglais et arabe. On peut pas le nier. Si ça va leur servir. Ouais, ça je sais. Ces insultes-là. S'ils les disent à l'école, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils répondent après? Bah oui, mais maman, pour un jeu, elle m'a autorisé, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, ils insultent leurs propres parents, ils insultent leurs grands-pères aussi, leurs grands-parents dans cette trame. En fait, après. On n'est pas à la maison, on ne sait pas si ces gros mots, ils l'ont appris à la maison ou à l'école. Hein. Faut quand même... Et on ne sait pas si elle leur a dit après. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de type, des enfants qui
ce genre de vulgarité. Oula, je pense pas qu'il y ait des enfants qui parlent de cette vulgarité. Je préfère désamorcer avant de me prendre. Et tu désamorces et tu le dis comme une maman, toi qui as des enfants, si ouais. ça se trouve avant ou après la vidéo, et ça on l'a pas. Elle leur a peut-être dit, voilà, c'est dans le cadre de quelques minutes que je vais vous laisser, mais oui, surtout pas. Oui, mais elle a été postée, la vidéo. Bah oui. Oui, mais peut-être qu'elle a eu, j'en sais rien, je sais pas, c'est pas pour... mais peut-être qu'il y a eu après, elle leur a dit, non, mais ça, dans la vie, jamais, etc., etc. Tu vois, je sais pas, elle a peut-être désamorcé l'exercice. Aujourd'hui, la vidéo, elle est plus disponible, mais en tout cas, elle a été postée. Donc, ça veut dire qu'elle a bien regardé cette vidéo avant de la poster. Donc, c'est ça, moi, qui me dérange un petit peu, c'est de se dire, à aucun moment, elle s'est dit, non, je peux pas mettre ça. Est-ce que je peux juste dire quelques, pas des tweets, mais juste pour information, il y a quelques semaines, il y a les députés qui ont adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à mieux protéger le droit à l'image des enfants sur les réseaux sociaux face au comportement de certains parents, les exposant sans retenue sur les réseaux sociaux. Une loi qui a été portée, Sam, par un député qu'on a reçu ici, sur Aja. Bruno Studer. Exactement, avec qui on avait notamment débattu, tu te rappelles, sur le prompt du caca. Le caca, tu sais, on faisait croire aux enfants qu'on mettait du chocolat et qu'à la place c'était du caca. Jessica Tinel avait fait cette vidéo. Exactement, et on avait débattu de ça avec ce député, et il parlait notamment de la course au like, de la surexposition des enfants, et que tout cela, pouvait engendrer des problèmes psychologiques liés à l'image et à l'acceptation de soi. Donc, ça peut être rigolo, mais quand même... Faites un petit peu attention à ce que vous posez, à ce que vous postez, pardon, sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, bah c'est ton humeur de la semaine. Voilà. T'as le droit de la voir. Merci Jim, de l'avoir présenté. Tu sais, on anticipe le truc. Alexandra, c'est à toi. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous partager ton mood? Oui, c'est un up. Ah, c'est un up. Et je suis super contente de le partager avec vous sur ce plateau et avec vous à la maison qui nous regardez. On va parler de Fidji qui se confie sur l'allaitement. C'est un sujet qui divise en général les influenceuses et même pas que les influenceuses. Dans la vie, de manière générale, il y a un peu deux écoles. Pro-allaitement, souvent portée par les médecins et par ce qu'on entend toujours, c'est mieux pour le bébé d'être au sein de sa maman. Et puis, il y a une autre école qui dit, bah non, le biberon tout de suite, etc. On va parler de Fidji dans un premier temps. Donc, elle a accouché début mars. Tout s'est bien passé. Elle a été déclenchée, césarienne. Mais voilà, on voit la photo de cette famille et du bonheur de l'arrivée de ce petit bébé qui s'appelle Souleymane. Donc, elle a eu un déclenchement, une césarienne, tout le monde va bien. Et donc, ce que j'ai trouvé super, c'est que, forte de cette nouvelle et de ces bonnes nouvelles, elle a pris position sur l'allaitement. Elle a décidé de le partager. Elle n'allaite pas parce qu'en fait, elle a un problème physiologique. À l'âge de ses 18 ans, on lui a expliqué qu'il n'y aura pas d'allaitement possible. Elle n'a pas expliqué la cause précise, mais en tout cas, elle le savait. Donc, elle avait anticipé un jour ce rôle en disant, ça ne sera jamais pour moi. C'est pas grave, je suis OK avec ça. Et donc, j'aimerais bien qu'on l'explique, qu'on l'entende nous expliquer ça. Et puis après, on en reparle juste après. Est-ce que tu allaites? Tu n'allaites pas? Donc, les filles, il faut savoir que j'étais déjà au courant que je ne pourrais sûrement pas allaiter. Très jeune, j'ai eu comme une malformation. Bref, je vous passe les détails. J'ai eu comme une malformation et on m'avait expliqué que sûrement je ne pourrais pas allaiter. J'ai attendu d'être majeure à l'époque, mais je crois que c'est à mes 18 ans qu'on m'a annoncé ça. Donc, c'était il y a longtemps. Du coup, j'avais prévenu ma gynécologue qui m'avait dit, écoute, on verra, peut-être que, on ne sait jamais, tu vois. Bref, du coup, à la maternité, je n'ai eu aucune montée de lait, vraiment aucune. Ils m'ont fait téter bébé. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de force dans sa petite bouche et sa mâchoire. Bref, du coup, on a testé, enfin bref, on a plusieurs essais, mais en tout cas, je n'ai jamais eu de montée de lait. Donc, non, je ne peux pas allaiter, je n'ai pas de lait. Et du coup, bébé est au bibi. Le point positif, c'est que papa peut en donner. Voilà, bébé Eto Bibi, et donc je trouve ça génial qu'elle partage parce qu'elle aurait pu ne pas le faire. Et donc ça, je trouve ça super parce que là où je voulais mettre l'accent, c'est que beaucoup, il y a une sorte de culpabilité sur les femmes à peine elles viennent d'accoucher, qui évidemment se posent la question de nourrir son bébé. Alors il y a le fameux colostrum qui est la première sortie de lait qui est importante et qui est riche, et ça c'est vrai, on l'entend très souvent et les médecins le confirment, mais après, il y a une espèce de culpabilité de si tu donnes pas le sein à ton bébé, eh bien tu ne lui donnes pas les meilleures chances d'avoir un super système immunitaire. Tu ne lui donnes pas les meilleures chances d'avoir toutes les bonnes vitamines nécessaires à son développement, etc. Et donc, du coup, eh ben, t'as plein de mamans. Moi, dans mon entourage, j'ai des copines qui paniquent, qui viennent d'accoucher et qui paniquent parce qu'à peine
C'est quand même une grande étape, l'accouchement. Enfin, Jinda, tu peux confirmer, c'est quand même, ça bouleverse une vie. Totalement. Moi, je ne l'ai pas encore vécu, mais... Pourquoi tu ne me demandes pas à moi? Qu'est-ce que t'en penses, parce enfin, que voilà. Enfin. Est-ce que tu as hâte, du coup? Non, pas du tout. Eh bien, tu ne le vivras pas, tant mieux. Ou pas, d'ailleurs, parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je trouve ça génial et important qu'on libère... C'est pas une parole féministe, en fait. C'est pas que de dire les femmes peuvent choisir, mais en fait, t'en as qui disent, bah non, je veux pas. Et je trouve que ça doit être OK aujourd'hui dans notre société. Et il y a des influenceuses qui ont pris position et qui ont dit, bah non, alors, celles qui veulent pas, celles qui n'aiment pas, je pense notamment à Shana Kress qui, par exemple, n'a pas du tout aimé cette expérience et elle est allée loin parce qu'elle a comparé la tétée à un ressenti comme si tu as une grenouille qui te pince le téton. Voilà. Et donc, elle a dit, c'est extrêmement désagréable. Donc, elle a comparé ça à une grenouille. Et j'ai trouvé ça hyper OK. Je me suis dit... Celle aussi, d'un point de vue esthétique aussi. Ouais. Tu vois, parce que ça va abîmer les seins, ça va les faire tomber, ça va... Oui, oui, il y a un côté un peu... Oui. Après, chacun choisit, en vrai. Mais voilà, oui. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement bah, oui. Le mood que je voulais faire passer, c'est chacun choisit. Tu avais reçu Julie Ricci en interview. Certainement. Voilà. Alors, elle dit tout de suite, alors, au biberon direct, pas de tétée, elle a juste fait la tétée de bienvenue et tu sens à quel point ça va, quoi. Ça suffit, je te propose qu'on la regarde. Ah bah oui, découvrons. Bon, bah allons-y. Tu parles de la première tétée de bienvenue. Moi, je voulais pas du tout allaiter. C'est pas quelque chose en soi qui me plaisait, hein, malgré toutes les mamans. Ouais, faut allaiter, les pro-allaitements, etc. Moi, je fais ce que je veux. Et du coup, on m'a parlé de la première tétée de bienvenue. En gros, on aurait avant le lait du colostrum. C'est un petit liquide qui est bon, plein de vitamines, enfin de bons apports pour le bébé. Donc, j'ai dit, bon, je suis pas fermée. Donc, à la naissance, j'ai donné cette tétée. Mais voilà, ça a pas duré. C'est pas quelque chose ni qui m'attire. Après, les mamans qui font ça, je trouve ça super bien parce que c'est le lait maternel de notre corps qui va dans le bébé, donc il n'y a rien de plus sain. Quand on est adulte, on ne voit pas les différences entre allaiter au lait maternel ou chimique ou pas chimique. Enfin, il ne faut pas abuser, on ne devient pas chelou parce qu'on a bu du lait en poudre. Est-ce que toi ou moi, on pourrait dissocier qui a bu quoi? Non. Voilà, je trouve hyper naturel dans sa pensée. J'ai trouvé ça génial. Ouais, mais tu sais que c'est même risqué, hein? En vrai, là, je suis en train de réaliser un discours comme ça. Parce qu'un truc comme ça, t'es influenceuse, t'es dans Maman est célèbre, tu peux t'en prendre plein la tronche. Ah bon? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, par toutes les mamans, pro, il faut la téter uniquement par le sein, sinon l'enfant, il va développer quelque chose qui est pas bien, il n'aura pas tous les anticorps. Non, mais c'est sur les réseaux, je parle, hein. Sur les réseaux. Oh oui, il peut y avoir une forme de. Oh, mais ils auraient tort. Parce que justement, on voit bien qu'on a un panel de solutions, voilà, pour justement nourrir son enfant, et toutes ces influenceuses-là, bah, explique bien en plus qu'on peut faire un peu ce qu'on veut tant que c'est OK et tant que ça... Et alors, on peut faire ce qu'on veut, oui et non, parce qu'en fait, il y a la nature aussi qui décide, oui, parce que tu as des montées de lait rapidement ou pas rapidement, tu as beaucoup de lait ou tu n'as pas beaucoup de lait, tu as les fameuses tireuses en maternité où tu dois tirer ton lait et on te fait des bidons d'avance, comme ça, on se dit, si jamais il n'y en a plus après, ben, au moins, on a récolté tout ce qu'on pouvait. C'était Kim Kardashian qui montrait ça dans l'incroyable famille Kardashian, elle préparait son lait en avance, elle le mettait au frigo, et c'était le père qui, avec une fausse poitrine, donnait le sein. Ah ouais, c'est vrai. Mais, loin quand même. Mais tu sais que c'est tellement complexant, ça va tellement loin qu'en préparant la chronique, j'ai lu qu'à l'étranger, il y a des femmes qui font téter leur enfant sur le sein d'une autre maman qui a du lait, pour qu'il y ait du lait maternel. Donc oui, c'est pas on appelle ça les mamans de lait. Voilà. Ouais. Parce que la culpabilité est telle qu'elles se disent, mais attends, mais moi, si c'est pas du sein d'une maman, ça va être du sein du lait industriel, ça va pas marcher, etc. Donc elles trouvent quelque part des mamans qui ont le sein disponible. C'est Toutatis qui avait prêté son sein, ça avait fait une polémique à sa sœur, mais alors qu'elle avait pas de lait. Bah oui. Du coup, j'ai une petite question parce que avant, je m'y connais pas du tout. Oui, demande à docteur Alexandra. Je vous en prie, dites-moi, c'était quel sujet? Notamment dans le milieu de la télé-réalité. Et dans la vie en général, beaucoup de femmes ont des prothèses. Est-ce que le fait d'avoir des prothèses, ça empêche le fait de donner le sein ou pas, du coup? Pas spécialiste, je pense pas. Je vois pas pourquoi ils toucheraient au canal. Ça dépend. Tu sais, mis avant, enfin devant ou derrière. Oui, mais ils doivent pas toucher au canal galactique. Tout dépendrait de l'ancienneté de la prothèse. Exactement. Et Yesta, elle en pense quoi? Est-ce que tu connais son opinion sur l'allaitement? Yesta, elle est pro-allaitement. On va lui poser la question. On va prendre son avis. Tu la connais, Jeff, Yesta? On a eu l'occasion de déjeuner ensemble avec elle et Benoît. Sur Marseille, et voilà. Et ben j'espère que ça s'était bien passé. Non, très très bien, c'est la famille, c'est la famille. Yesta, bienvenue sur Aja. Coucou. Salut Yesta. Ben ça fait plaisir. Salut.
ça fait plaisir de te voir. On a passé un super moment. Sachez que je vous suis toujours assidûment. C'est gentil, merci beaucoup. Tu fais pas partie de ceux qui nous menacent. Donc t'as suivi, Yesta, le sujet. Alexandra, elle a offert son up à Fidji, qui explique pourquoi elle peut pas allaiter. Elle parle justement de ce séisme entre les mamans, qu'elles soient influenceuses ou non. C'est vrai qu'il y a les pro-allaitement, celles qui sont contre l'allaitement, celles qui ne peuvent pas faire d'allaitement. Toi, t'es pour l'allaitement. Est-ce que tu penses que ça peut être culpabilisant de dire perpétuellement sur les réseaux « il faut allaiter son enfant pour le protéger, etc. » pour qu'il ait les meilleures cartes en main pour plus tard? Alors, voilà, il y a une différence. Moi, je suis pas pro-allaitement, mais je suis pour l'allaitement. Maintenant, je suis pour la tolérance. En fait, ce que je ne supporte pas, justement, c'est... j'entends un écho. Vous entendez l'écho ou pas? Ah non, nous, tout va très bien. À la rigueur, pendant que tu parles, tu baisses un peu le son. Ok. Problème, solution. Alors, moi, ce que je supporte pas, justement, c'est les extrêmes, en fait. Ceux qui sont trop pour et qui, du coup, font culpabiliser, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas et qui mettent énormément de pression aux mères, alors que la maternité, la parentalité est déjà assez compliquée comme ça. Et en même temps, ceux qui trouvent ça dégoûtant, qui sont totalement contre et qui nous jugent et qui nous montrent du doigt parce qu'on va sortir notre sein pour allaiter notre bébé. Moi, je suis juste contre les deux extrêmes, en fait. Ok. Et est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui est important, qui est intéressant? Il faut en parler, il faut dédramatiser, justement? Ah oui, moi je suis totalement pour le fait d'en parler, de dédramatiser. Je suis la première à avoir allaité mes deux fils et j'allaiterai le troisième. Je le montrerai sur les réseaux sociaux, j'en parlerai sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet qui est intéressant. Ça reste quand même la chose la plus naturelle au monde. Donc si ça peut donner envie à des futures mamans de tenter l'expérience, pourquoi pas? Maintenant, celles qui n'en ont pas envie, n'en ont pas envie. Bah oui, t'entendais le discours de Julie Ricci. Julie Ricci qui disait j'ai donné la première tétée de bienvenue, mais en vrai, c'est pas mon truc, quoi. Tu peux comprendre que ce soit pas le truc d'une nouvelle maman? Mais alors, moi, je vais vous dire complètement, c'est pas vraiment mon truc non plus. Je le fais parce que je me dis que c'est beau, parce que je me dis que c'est le mieux. J'ai pas été allaitée personnellement et je m'en sors très bien dans la vie. Hein, comme elle a dit, Julie, on peut pas avoir si toi ou moi ce qu'on a bu. Maintenant, je trouve que c'est pas mon truc non plus parce qu'en fait, ça nous fait continuer cette grossesse, ce lien-là qui ne s'arrête finalement jamais vraiment, et c'est difficile de couper et de retrouver un petit peu son identité. Moi, par exemple, Julianne, je l'ai allaitée 6 mois et j'ai trouvé que c'était trop long. Et donc, pour Adriane, j'ai fait moins long parce que je me suis dit, écoute-toi et arrête de te forcer à vouloir faire quelque chose que tu n'as pas envie. Ben oui, parce qu'Alexandra me dit qu'en moyenne, c'est deux ans l'allaitement. Et comment ça se passe, la grossesse, ce troisième enfant? Écoute, il y a eu des débuts un petit peu compliqués, mais là, ça se passe très bien. Ah, donc, cool. Je touche du bois, que ça continue comme ça. T'es à combien de mois? Là, je vais rentrer dans le 8e mois. Ok. Et pourquoi les débuts, c'était un peu compliqué? Oui, elle avait fait un poste. Oui. Oui, ouais. Les débuts, c'était compliqué parce que j'ai eu des hématomes, j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai cru que j'avais perdu le bébé. Et finalement, avec le temps, voilà, j'ai dû rester au repos un maximum. Et avec le temps, ça s'est redevenu tout nickel. Donc voilà. Ok, ben parfait. Ben plus que quelques semaines avant que tu découvres son petit minois et vous allez devenir les heureux parents de votre troisième enfant. Merci Yesta d'avoir accepté notre invitation. Yesta. Merci. Bisous. Merci. Gros bisous. Plein de bisous. Plein de bisous. Je te laisse suivre la suite. Alexandra, je te souhaite un beau bébé. Je te souhaite terminer ce up parce que tu peux le clôturer. J'ai dit 2 ans en moyenne l'allaitement et j'ai vu un cas en Grande-Bretagne, 6 ans. 6 ans, et à Lyon, du côté de Lyon, on est parmi les records en France, 7 ans. Attends, mais moi j'ai vu elle plus. Elle allait 7 ans. Vivian, 30 ans. Oh, la blague. Ah ouais. Voilà. Ah non, putain.
Bon bah en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire je pense sur le sujet voilà sur l'allaitement et super à la fois sur cette blague je ne sais plus quoi dire derrière j'ai envie de te dire merci beaucoup. J'ai une image tellement magnifique si on pourrait ouvrir un prochain débat c'est l'allaitement en public. Oui, l'allaitement au public, la prochaine fois. Mais pour ça, il faut qu'une influenceuse nous offre l'opportunité d'en parler. Merci beaucoup, Alexandra. On va enchaîner avec la toute nouvelle rubrique Aja m'en tape, Aja m'en tape pas. Ah, yes. Allez, vous le savez, sur Aja, vous l'avez compris, on ne cesse d'innover pour vous proposer un contenu toujours nouveau, toujours de qualité. Ça, on l'espère. On a créé Aja m'en tape. Ah, Aja m'en tape pas. Ah. Notre invité, Jeff, vos chroniqueurs sont armés de la pancarte Aja m'en tape, Aja m'en tape pas. Vous aussi, c'est dans les commentaires, vous marquez Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas, parce qu'on va passer en revue des informations, ça va être un tour de canapé, ça va être très rapide. L'idée, l'objectif, c'est d'expliquer pourquoi vous vous Aja, allez, vous vous en tapez, ou vous vous en tapez pas, okay. Mais il faut vraiment donner le meilleur des arguments tout de suite. Allez. Ok, on va commencer tout de suite ce Aja m'en tape pas avec Jessica Thivenin qui a poussé un coup de gueule qui viserait potentiellement, selon les internautes, la DLC Family. Alors Jessica Thivenin, elle a fait une story en parlant des enfants pas attachés et sans siège auto. Et les internautes ont tout de suite vu cette story comme ce qui serait un pic envers la DLC Family. À travers les stories de Jazz et Laurent, c'est vrai, faut se le dire, on retrouve souvent Kayden ou encore Chelsea assis sur le siège passager sans siège auto. Je vous propose de découvrir la story de Jessica et je vous pose la question. D'ailleurs, c'était hyper important, les amis, d'asseoir vos enfants dans des sièges auto, de les protéger, de les asseoir correctement, de pas, je sais pas, qu'ils soient en sécurité. C'est hyper important, la sécurité routière, même si vous avez confiance en votre conduite. Faites attention, protégez vos enfants, asseyez-les dans de la sécurité. Moi, ça me choque, les gens que je vois, leurs enfants, ils sont assis devant. Déjà, ils ont même pas l'âge d'être devant, parce qu'il y a un âge, je crois que c'est 10-12 ans. Je sais plus, moi, ils sont trop loin de l'âge, donc je me suis même pas renseignée. Allez, la question, elle est toute simple. Jessica Thivenin qui fait de la prévention pour asseoir son enfant sur un siège auto, lui mettre la ceinture de sécurité, l'asseoir au bon endroit dans la voiture. Aja m'en tape, Aja m'en tape pas. Jeff ? Je vais dire je m'en tape pas. Juste, je vais expliquer pourquoi. Parce que cette guéguerre entre la GLC Family et les Tivoli... C'est une supposition des internautes, hein, cette guéguerre. Bon, ça fait quand même pas mal de temps maintenant que c'est une supposition. Mais donc, ils habitent dans le même quartier à Dubaï. Pourquoi ils règlent pas ça ? Parce que ces petits pics subliminaux, là, tout le temps, c'est saoulant. Et on le sait très bien qu'ils se piquent entre... Alors, il y a eu le Nabila, après, il y a eu... Généralement, c'est entre Jessica et Jazz. C'est dommage. Qu'ils aillent boire un café, qu'ils en discutent, parce que là, ça devient ridicule. C'est tous des darons. Occupez-vous de votre famille, arrêtez de... Jinda, Aja m'en tape, Aja m'en tape pas de cette info. Aja m'en tape pas, bravo pour la prévention. On peut pas, enfin, tu vois, elle fait bien de le dire. Moi, je vois pas de pic spécialement pour la GLC en particulier. Peut-être que c'est le cas, mais même si c'est le cas, eh ben, vaut mieux prévenir que guérir. Aaron, tu t'en tapes. Bah moi, je m'en tape complet, ouais, de sa story. Parce que en fait, moi, contrairement à toi, Jinda, je vois un pic pour la GLC Family. Effectivement, je trouve que Instagram ou Snap, c'est pas forcément le meilleur moyen de régler ces conflits ou de se piquer à travers des stories. Et en plus, je suis désolé, je vais pas attendre Jessica Thivenin pour apprendre le code de la route ou pour savoir comment je dois protéger mes enfants. Tu vois, c'est-à-dire que Jessica Thivenin, aujourd'hui, elle accumule quand même aussi pas mal de petites un peu négatives. C'est pas elle qui va apprendre comment conduire ou comment gérer mes enfants. Et enfin, Alexandra, tu t'en tapes pas? Je m'en tape pas parce que, comme Jinda, eh ben, tout est bon pour faire de la prévention routière et je suis pas d'accord avec toi parce que des fois, on paye des fortunes pour faire des clips sur des grandes chaînes de télévision où on n'est pas dans du concret. Là, on est dans du concret. L'intelligence de la télé-réalité, c'est aussi de savoir faire passer des messages et tant que le message y passe, eh ben, moi, je m'en tape pas et c'est gagné. Et ben, vous êtes 86% d'agiatrices et agiateurs qui êtes en train de nous regarder. Qui ne s'en tape pas de cette story de Jessica Thivenin parce que vous dites bravo pour la prévention. Voilà. On enchaîne avec Cassandra. Cassandra, on en parlait la semaine dernière sur Aja. Elle est au cœur du prochain programme qui sera diffusé après Marié au premier regard dans Arnaqueur ou Prince Charmant. Et Aaron a informé que selon ses sources, Cassandra serait bel et bien au courant que les prétendants arnaqueurs étaient des arnaqueurs qui auraient été là, qui seraient là pour empocher 20 000 euros plutôt que son cœur. Et Cassandra, elle a pris la parole sur les réseaux sociaux, mais certains y voient un lapsus. Regardez. Participer à Arnaqueur ou Prince Charmant, où je suis en tête d'affiche. Et donc, elle savait, Cassandra, qu'il y avait des arnaqueurs? Non. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui ont un peu lu le descriptif, etc., j'étais accompagnée d'une thérapeute, donc Cindy,
qui m'a donc annoncé qu'il y avait des arnaqueurs et qui m'a aidé au travers de ce tournage à les découvrir. Voilà, alors c'est quoi, c'est, elle sait pas bien comment s'exprimer, elle vend mal le programme, ou elle fait un lapsus en disant j'avais une psy avec moi qui m'aidait à découvrir les arnaqueurs. C'est cramé, c'est elle essaie de sauver les meubles, c'est tout. Mais je vais vous poser la question principale. Cassandra qui fait une story pour affirmer qu'elle ne savait pas que les arnaqueurs étaient là pour elle. À Jamantap ou à Jamantap pas? Énième programme qu'elle fait, énième, toujours les mêmes personnes qu'on voit, zéro crédibilité. Donc tu t'en tapes ou pas? Je m'en tape complètement. Ah, tu t'en tapes complètement. Ah ouais, complètement. Vraiment, elle me, c'est vraiment... D'accord. C'est une personne elle est en tête dit. D'affiche. Ouais, ouais, on aurait dit que c'est Kardashian. Tranquille, cousine. Aaron, tu t'en tapes pas? Ah bah non, bah pas du tout, parce que justement, je suis très content de voir que ce que j'annonçais, enfin ce que je supposais la semaine dernière, commence à se révéler finalement, à être, enfin commence à être confirmé par Cassandra, parce que effectivement, la semaine dernière ici, je disais que selon ce que j'avais entendu, Cassandra était au courant qu'il y avait des arnaqueurs et des vrais charmeurs, et effectivement, quand elle dit, je la recite, j'étais accompagné d'une thérapeute qui m'a annoncé qu'il y avait des arnaqueurs et qui m'a aidé à les découvrir. Forcément, là, on comprend qu'elle était au courant. Donc tous ceux qui disent oui, mais du coup ils ont payé les gens qui l'ont arnaqué, non, tout le monde était au courant. Alors effectivement, elle est la tête d'affiche d'un programme, elle pense, enfin elle nous fait croire que c'est un programme sincère, etc. Pas du tout, elle a aussi pris son chèque, elle est en tête d'affiche, elle est sur M6, bravo, mais elle ment. Ah, Jinda, tu t'en tapes pas. Mais oui, je comprends pas le débat. À quel moment elle a dit qu'elle était pas au courant qu'il y avait des arnaqueurs et des... À quel moment en fait... Parce que c'est tout le concept de l'émission. Mais non, et tu te trompes et là ouais. T'es nul. Explique-nous. Ah, dis-moi. Mais en fait, le concept, il est simple. Elle se présente devant des jeunes hommes, elle le sait dès le départ de l'émission qu'il y a et des arnaqueurs et des gens qui sont vraiment là pour la séduire. Donc elle n'a pas fait de lapsus, elle révèle rien. C'est écrit dans le synopsis de l'émission. Elle l'apprend au tout début de l'émission. Ah, donc toi, t'es en train de remettre la mosquée au milieu du village. Mais bien sûr, so, en fait, vas-y. Ce qu'elle dit ne pas savoir, mais oui. Qu'elle savait, c'est oui. Qu'effectivement, la personne qui avait réussi à l'arnaquer empochait les 20 000 euros. Et du coup, il y avait eu toute une histoire autour de... Oui, c'est-à-dire que M6, justement, paye les gens qui réussissent à arnaquer le cœur d'une femme, sauf que cette femme en question, Cassandra, était au courant. Et tu... Oui, mais elle est au courant que tous les hommes qui se présentent à elle ne sont pas sincères, qu'il y a et des vrais, et elle le sait dès le départ, donc je comprends pas. Et la thérapeute, du coup, l'a aidée à... Exactement, et juste pour information, sur Sisplay, justement, il y a une émission qui s'appelle The Love Trap. Excusez-moi pour mon accent. The Love Trap. The Love Trap. Voilà. Où le concept, c'est un homme célibataire qui cherche l'amour, sauf que parmi les candidates, certaines sont en couple, et il y a une somme d'argent également à la clé. C'est exactement le même concept, sauf que dans la version sur M6, et ben c'est, les jeunes femmes sont en couple, et là, ils ne le sont pas. C'est exactement, et ils le savent dès le départ et de ben l'émission. J'ai hâte de savoir qui de vous deux a raison. Alexandra, tu t'en tapes pas. Bah oui, bah moi, à la base, je m'en tapais pas. Parce que je pensais, comme Aaron, qu'elle ne savait pas la différence. Elle pensait qu'elle allait juste trouver l'amour et qu'on avait intégré dans le jeu des arnaqueurs. Donc, je m'en tapais pas parce que j'avais l'impression, et on avait parlé la semaine dernière sur ce plateau, moi qui adore tous les programmes de dating et on recherche l'amour et tout, je me suis dit, bah voilà, je vais encore me faire avoir, je suis nulle, je suis encore trop naïve, trop crédule et tout. Et puis voilà, donc je m'en tape pas de voir que finalement tout est pipé. Donc, j'étais de ton avis. Maintenant, je change, je m'en tape. Change, parce que complètement. J'ai raison. Je m'en tape, mais royalement. 93% de nos ajatrices et ajateurs, Jeff, d'après toi, ils s'en tapent ou ils s'en tapent pas? Ils s'en tapent. Ils s'en tapent complet. Voilà, on enchaîne avec merci. Maëva Guénal voilà. Qui supprime toutes ses photos en maillot de bain. Maëva, elle continue hein, dans son repentissement voilà. Après avoir annoncé retirer l'arrière-train, les extensions, enfin diminuer l'arrière-train. Dans son chemin d'un retour au naturel, Maëva, elle a fait une nouvelle annonce en story. Elle a dit « Je suis en train de supprimer toutes mes photos en dessous et en maillot de bain ». Maëva Guénal qui décide de supprimer ses photos en maillot de bain. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Jeff! Même si c'est le Marseillais, ça me fait de la peine de dire ça. Mais le problème, c'est que jouer sur la religion pour essayer de se donner une crédibilité pour une nouvelle image, c'est plus possible. Ah, ça, c'est ton interprétation qu'elle joue sur la c'est religion? Moi, mais c'est mon interprétation, mais voilà, c'est pas possible. C'est pas ok, possible, donc c'est tu t'en tapes? Ah, mais complètement. Ok, Jinda, elle s'en tape aussi? Non, je m'en tape pas. Ah, elle s'en tape pas? Non, je m'en tape pas. Le problème, c'est que Maëva, on y a le droit chaque année. Voilà. Chaque année, elle répète exactement la même chose. Voilà. Et là, pour le coup, je suis allée voir sur son compte Instagram et elle n'a pas retiré les photos en maillot de bain. Donc, je ne m'en tape pas du tout. Et fais ce que tu dis, en fait. Si tu l'annonces, fais-le réellement. Ça nous prouvera que tu es sincère. Mais, là, oui, c'est mais pas parfois, le cas. Tu peux dire un truc et puis finalement, tu ne sais pas si tu veux le faire. Bah, je ne sais pas. Bah, alors, tu dis rien? Si elle dit chaque fois en période de ramadan, c'est compliqué. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je. Tu t'en tapes, Aaron? Bah que je m'en tape complet, parce qu'effectivement, elle fait ça tous les 6 mois, ou en tout cas tous les ans, à la veille du ramadan ou pendant voilà, le ramadan. Finalement, tout ce qu'elle dit, elle ne le fait pas, donc arrête de parler, agis. Sauf que...
Ma chère Jinda d'amour, la régie vient de me dire qu'ils viennent de vérifier le compte Instagram pas du tout. Mais de Maëva Guénam. Il n'y a plus une seule photo. Non, et bah, non. Et bah, ils n'ont pas le bon compte parce que je viens d'y aller. Il n'y en a aucune. D'accord. Ok, vous me laissez deux minutes. Laisse Alexandra parler, nous expliquer pourquoi elle sent quoi, Alexandra. Ah, moi, je m'en tape royale. J'aime pas ses maillots. Ça va pas changer ma vie s'il n'y a plus de photos d'elle en maillot de bain. Je m'en tape royale. Ok, c'est une info, tu passes à côté. Complètement. Ok. Excusez-moi, elle est comment là? Tu peux me dire? Décris-moi, s'il te plaît. C'est un body. Ah, c'est un body. Oui. Ah, d'accord, ouais. Et là, elle est en body dans l'eau, là. Ah, elle est d'accord. Body, ok, voilà. Merci. La régie, hein? Elle a dit les maillots de bain de pièces décolletés. Ah, bah donnez toutes les informations. Bah, voilà. C'est vrai que ça change tout. Une histoire de maillot. T'as pas lu sa story? Ah oui, ça change tout. Il y a une catégorie de maillots. Est-ce que je t'ai dit, tu dis que je suis à côté de la plaque. De pièces décolletées. Bien sûr. Elle a dit maillot de bain et quoi d'autre? Ah bah ça, j'attends l'oreillette. Voilà. Ok, alors vous vous en tapez ou vous vous en tapez pas à la maison? J'attends qu'on me communique l'information avant qu'on passe. Je pense quand même qu'ils s'en tapent quand même. À 80% les agiatrices s'en tapent. Heureusement quand même. Allez, quatrième, je m'en tape ou je m'en tape pas. Kim Glo, elle est maman depuis quelques mois maintenant, on l'a suivie, elle partage son quotidien, sa nouvelle vie avec sa petite Talia et dans une story, elle apparaît très angoissée. Elle explique Kim Glo que sa fille, âgée de 4 mois, a attrapé froid. Regardez. En fait, si elle est malade, et c'est ça qui est atroce, parce que je suis celle qui veut la protéger, et je crois qu'elle est malade à cause de moi. Elle est bien couverte, machin, la cagoule jusque-là. Et d'un coup, le soleil, il est sorti. Donc moi, je l'avais mis en mode, il n'y avait pas de soleil, il faisait frais. Super. Moi qui veux protéger mon bébé, je crois que c'est à cause de moi qu'elle est malade. Je vois que ça. Hein. Elle a attrapé froid, je pense, parce qu'elle a transpiré. Donc voilà, premier rhume à 4 mois. J'ai jamais ressenti une culpabilité aussi forte. Alors, Kim Glo, qui partage ses angoisses en story parce que sa fille a un rhume, à jamais en tape ou à jamais en tape pas, Jeff Santiago. Tu t'en tapes, pourquoi? Mais bienvenue dans le monde des mamans. On dirait que ça y est, putain, mon petit laine. Oh, c'est bon, c'est normal. Toutes les mamans, tous les enfants, ils ont vécu sur le truc. C'est un premier rhume. Après, on dirait qu'elle a perdu ses parents, ses enfants, ses grands-parents en 5 secondes. Mais les premières fois, ça angoisse. Oui, mais pas de là, quand même. Oh. Mais Kim Glo, tu n'angoissais de la vie. Ouais, ben angoissé tout court. Non, il faut arrêter. Non, stop. Jinda, t'en penses quoi? Ah, moi, je m'en tape pas du tout. Je la comprends totalement. Les toutes premières fois, surtout les maladies. Oui, c'est peut-être un rhume. Oui, c'est peut-être un petit vomito. Oui, c'est peut-être un petit rototo. Oui, c'est peut-être. Mais ça nous angoisse. Et Kim, malheureusement, sache que tu seras une angoissée à vie, malheureusement. Ça y est, à partir du moment où on devient parent, on est angoissé à vie. Jusqu'à quel âge? Mais jusqu'à... Même adulte, tu crois que tes parents, ils s'angoissent pas pour toi? Si. Ah bah si, malheureusement. Et bah voilà. Donc jusqu'à... Si, ma mère, elle m'appelait il y a pas longtemps en me disant oh, « comment ça va? J'ai vu, t'avais fait une crise d'angoisse et tout. » Et voilà. J'ai dit « Maman, je t'en prie, ce que je dis sur les réseaux sociaux, tu vas pas à chaque fois rebondir. » Si, c'est ta maman, c'est normal. Donc Kim, angoisse-toi et n'écoute pas Jeff, n'écoute pas les autres, tout ce qu'ils vont dire. Tu as raison d'être angoissée et ça veut dire que t'es une bonne maman. Mais moi, je m'en tape complètement que sa fille soit malade et que Kim soit angoissée. C'est-à-dire que, attention... Ah, mais je sais ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Bah, en même temps. Je comprends qu'elle soit angoissée, je comprends qu'elle soit stressée parce que sa fille a un rhume, mais garde-le pour toi. Voilà, je m'en fous, son petit cœur de maman tout fragile en panique, qui reste chez toi. Moi, elle m'apprend rien, elle m'apporte rien, elle me touche pas, je m'en tape. Et ben moi, je pense que ça peut rassurer d'autres mamans. Merci. Alexandra. Moi, tout pareil, Caronne. Pour tu une t'en fois, je m'en tape et je suis. Bah oui, je m'en tape pas de que sa fille soit malade. Attention, voilà. Parce que je comprends les angoisses d'une maman. Exactement. Évidemment, les premières fois, comme tu le dis justement, oui, ça fait peur. En revanche, sur un rhume, je sais pas s'il y a une nécessité de nous le partager. Moi, je vais regarder la story rapidement, quoi. Bon, bah écoutez, voilà. À 78%, nos agiatrices et agiateurs s'en tapent. Ah, voilà. Tu vois, ils sont pas d'accord avec nous. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On peut pas toujours avoir raison. Bah oui, surtout Dinda. Allez, on va enchaîner avec Jeff. C'est ton heure. Ouh. Que dis-je? C'est ta question qui tue. Ouh. La question qui tue, c'est une question qui chauffe. C'est une question pimentée. C'est une question qui donne des émos. Non, je m'arrête là. Aaron, c'est à toi. Je te confie Jeff, droit au but, straight to the point, ok? Tu peux poser ta question qui tue à Jeff Santiago. Et moi, je suis toujours enceinte. Jeff, alors tu as un point commun avec un très célèbre candidat de télé-réalité, Dylan Thierry.
Vous avez tous les deux participé du coup à Koh-Lanta. Donc depuis, Dylan est un candidat controversé et enchaîne donc de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux. 21 Pods, les puits à Madagascar, les cagnottes, trafic d'enfants, actuellement en couple avec Ayem. Attends, soupçon de trafic d'enfants. Soupçon de trafic d'enfants, merci Sam. Et il avait fait également scandale en faisant un placement de produits pour des médicaments qui soignent le cancer des cellules cancérigeuses. Donc c'est vrai. Cancérigène. Mais oui, mais il avait dit cancérigeuse. Oui. Ah oui, ah oui, pardon. Ouais. Ah oui. Du coup, Jeff, ma question qui tue est la suivante. Est-ce que si tu pouvais faire machine arrière, tu aurais adopté le même parcours que Dylan pour connaître le succès qu'il a aujourd'hui? Même pas pour 100 millions d'euros. Ah oui. C'est cash. C'est cash, oui. C'est effectivement... Parce que je sais d'où je viens. Et je sais que, notamment à Marseille et tout ça, le fait de pouvoir me balader dans Paris ou dans Marseille, tête haute, sans aucun problème, je sais très bien que si j'avais fait le quart de ce qu'il a fait dans Marseille, il serait fait mettre à l'amende en 5 secondes. Et là, il fait le tueur parce qu'il est à Dubaï, il est loin. Mais je pense pas que s'il marche seul à Marseille ou, ou seul à Paris, il se fait mettre à l'amende en 5 secondes. Moi, je peux te dire que je suis tranquille, je fais mon petit chemin, je dois rien à personne, mais jamais, jamais. Et puis même, marche tête haute. Pouvoir dire à ses parents moi, ou gens avec ça, ou avec n'importe qui, je t'ai jamais arnaqué, parole d'homme, il n'y a aucun problème. Lui, c'est une arnaque humaine. Mais en même temps, encore une fois, TF1 lui a donné la force en le mettant sur une île avec des mocassins Gucci. Ben, vous avez créé un monstre. Pourquoi TF1 lui a donné la force? C'est eux, oui, effectivement, qui ont mis en scène, tu penses, le personnage? Évidemment. Évidemment. Il serait prêt à tout pour le buzz, contrairement à toi? Direct. Mais ah. N'empêche, gros big up à Benjamin Samat, qui l'a défoncé pour le match de boxe. Après, je pense que c'est difficile de comparer des mocassins Gucci quand même à tout ce que tu as pu lister par la suite. Oui, ça c'est... À la base, ils lui ont donné la chance de se mettre sur un produit, de se mettre sur un programme télé. Parce que s'il si n'avait pas fait Koh-Lanta, peut-être que Dylan Thierry serait resté au Luxembourg à faire... Mister Luxembourg. Oui. Mais quand tu parles, c'est TF1 qui serait... Oh, on entend. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu, on veut entendre. Bah, répète, c'est toi non, qui toi, répète. Non, Jeff. Non, porte tes... Je les porte, Non, bien sûr, je les porte. Non, bien sûr, autrement, elle a dit donc, ou Mister Luxembourg, je dis, ou escorte pour d'autres hommes. Oh, bah alors ça... Vous bégayez là, comment? Ah, vous portez plus rien là. On n'a pas vu. Ah, comment, soi-disant, ouais, portez couilles et tout là. Eh ben, j'en ai pas, moi. Ah, moi. Voilà, ah, bon. Ok. D'accord, voilà. Non, faut les porter, il faut dire les vérités. Mais bon, il est avec Ayem, visiblement. Grand bien lui fasse. Oui, mais par contre, on peut pas affirmer. Plein de bonheur pour on lui. On peut pas affirmer. Bien là, sûr, tu reprends certainement des propos qui avaient été dits par Pascal, qui avait fait Koh-Lanta à l'époque. Peut-être. C'est ça. Peut-être. Tu le connais, Pascal? Bien sûr. Très belle personne. Voilà, c'est Pascal qui avait parlé de ça. Très belle personne. Après, est-ce qu'on peut nous l'affirmer? Non, on n'était pas là. Oui, mais comme tout, alors comme vous ne pouvez pas forcément affirmer le coup, même si vous avez. C'était des voice notes, le fait des pilules cancérigènes. Ah, bah non, c'était une story qu'il a fait. C'est une story quand même. Oui, c'était une story. Et il avait dit, elle guérit du cancer. Il avait dit, voilà, j'ai des pilules qui peuvent guérir du cancer. Voilà, en gros, je te le fais en rapide. Voilà. Merci Aaron, merci Jeff, Jinda, c'est à toi. Je te confie notre cher Jeff. Toi, je t'aime bien, alors tranquille. C'est vrai? Ouais. T'avais peur aussi un petit peu? Trop, mais, ouais, mais vas-y quand même. Non, tranquille. Ah, c'est pour ça que t'as dit tu m'aimes bien? Non, tranquille. Après avoir participé à Koh-Lanta, deux anciens candidats ont eu l'occasion d'animer une émission d'aventure. Ouais. Sur W9 notamment, avec l'émission Les Apprentis Aventuriers, qui avait été dans un premier temps présentée par Moundir. Et par la suite, c'est Laurent Mestret qui a repris le flambeau. Jeff, ma question qui tue est... Qu'est-ce que Moundir et Laurent ont que tu n'as pas pour animer un tel programme d'aventure? Alors, déjà, il faut faire preuve d'humilité. Moundir, pour moi, c'est une légende. Okay. Il a créé un personnage et c'est un homme que j'admire énormément. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et il avait ce charisme, il a toujours ce charisme, notamment dans les Moundir les Aventuriers, de grand frère, mais en même temps de maître de cérémonie assez ferme. Laurent, ben, il a été corporate, hein, il a fait 50 milliards de Koh-Lanta, il a fait Danse avec les Stars, Laurent au camping, il a fait plein de trucs. Non, mais c'est bien, c'est un beau gosse, il n'y a rien à dire, c'est un beau gosse. Un peu, il présente très bien, donc tant mieux pour lui. Après, c'est vrai que pour faire Laurent et les Aventuriers, je ne l'ai pas forcément trouvé au meilleur poste. Parce que pour moi, il ne collait pas à l'image, il ne colle toujours pas à l'image parce qu'il est trop gentil, trop souriant, trop... C'est pas le Denis Brognard, c'est pas le Moundir. Et donc, j'ai pas forcément la crédibilité en tant qu'aventurier que eux ont. Là, j'ai rien à dire. Par contre, évidemment que j'aurais rêvé de faire animateur et de faire les apprentis aventuriers, de faire, bon, pas forcément Jeff les apprentis aventuriers parce que ça fait extrêmement prétentieux, mais d'animer une émission d'aventure, j'aurais adoré le faire. Mais qu'est-ce que tu penses sincèrement de Laurent Mestret?
Ben, Laurent Mestré, il a su mener sa barque de façon corporate. Il a un physique qui passe bien. Il a fait Danse avec les Stars. Il a tout gagné. Il a tout eu sur ce passage. Bien sûr, c'est un peu de jalousie parce qu'il a eu les choses que j'ai pas eues, mais il les a méritées parce qu'il les a réussies. Mais pourquoi tu mets souvent son physique en avant ? Parce que c'est marketing. C'est important d'avoir un joli physique qui passe bien à la télé. Ok. Tu penses que c'est son physique qui lui a permis d'être là ? Ben, il a un joli sourire, il est beau gosse. Enfin, non, ou quand même, Laurent, c'est Laurent. C'est-à-dire que, en tant que animateur de cette émission, tu le trouves pas au top, mais non. De par son physique, en fait, tu penses qu'il est là de par son physique. Marketingment parlant, c'est un très beau produit. Après, au niveau charismatique, je trouve pas qu'il soit le bon maître de cérémonie pour faire les aventuriers. Mais alors, qui t'aurait vu à sa place ? Ouais, moi, franchement, moi, je me place direct. Mais sinon. Et si c'était pas toi ? C'était pas moi, une personne d'être un peu plus ferme. Franchement, Moundir, pour moi, il incarne parfaitement le truc. Mais après, c'est Moundir, il a. Claude ? Ben oui. Non. Non, non. Claude, c'est un aventurier emblématique quand même. Non. Claude, il aurait été. Claude, marketingment parlant, visuellement, non. D'accord. Claude, c'est pas Laurent, hein, les gars. Laurent, c'est un beau gosse. Claude, c'est pas un beau gosse. Si, c'est un beau gosse, Claude. Calme-toi, c'est le pote de mon frère. Déjà, c'est le pote de qui tu veux, je m'en fous. J'étais amoureuse de lui quand j'étais jeune. C'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Je ne comprends pas Laurent, sa plastique, son sourire et tout. Mais en termes, physiquement, Claude, il passe. En termes de. Crédibilité, oui. De crédibilité aussi. Il a fait 500 fois Koh-Lanta, heureusement. T'es pas un peu jaloux? Il y a un peu de jalousie quand même. Mais évidemment, ils ont eu la chance de le faire 100 fois. J'ai pas eu la chance de le faire même pas deux fois. Il fallait pas faire les anges. Oui, voilà. Mais frérot, il fallait que je prenne des sous. Je fais comment ? Tranquille, toi, tranquille. Non, mais bien sûr, parce qu'il y avait des sous à prendre et je l'ai fait et je le regrette. Je pense que j'ai assez dit. Mais maintenant, ça, de l'eau est passée sous les ponts. La prod, j'ai fait ce que j'avais à dire faire. Je leur en veux vraiment pas. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, que ce soit à Koh-Lanta, Claude, Laurent, tout ce qu'ils veulent. Mais après, bien sûr, qu'une part de moi, je me dis toujours, si j'avais pas fait cette merde, où j'en serais dans ce monde médiatique. Si j'avais voulu continuer, évidemment. Parce que je restais à Marseille, tranquille. Mais Claude, il y a quelque chose avec lui. Non, moi, je trouve qu'au niveau des épreuves, c'est un très, très bon personnage. J'en doute pas, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il n'y a rien à dire. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu de compétiteur. Mais j'aurais bien aimé voir un affront avec lui. C'est un truc de compétiteur, c'est normal. Ah, dans la loyale, quoi. Exactement. Et ben, en tout cas, merci d'avoir répondu à la question de Jinda. Et Jinda, merci de l'avoir formulée. Alexandra, c'est à toi, tu peux faire marcher ta langue. Allez, ben, j'y vais, de ce pas. Jeff, après avoir participé donc, à Koh-Lanta, beaucoup t'ont connu dans la 8e saison des Anges. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison a soulevé pas mal de problèmes, notamment sur le traitement qu'a subi Aurélie Preston. Elle s'était confiée chez toi, Sam. On va regarder un extrait et je pose ma question qui tue juste après. Ils m'ont trouvé là et justement il y avait mes dernières volontés sur le lit, il y avait les médicaments, j'avais fait un cocktail Molotov pour partir. Pour moi j'étais plus là le lendemain, pour moi je serais enfin apaisée. Il consistait en quoi ce cocktail ? Bah, c'était pour pas se louper. Qu'est-ce que t'as pris ? Tout ce qu'il y avait chez moi dans la pharmacie, j'ai même pris de la alors que j'en ai jamais pris de ma vie. Ma question qui tue, Jeff, est la suivante. En voyant les conséquences des tournages sur la santé mentale d'Aurélie, as-tu des regrets vis-à-vis des comportements que tu as pu avoir avec elle ? Alors, on parle de quand même une histoire qui date de 2016. Les Anges 8 2016, oui. On est en 2024. Entre-temps, il y a eu un retour des Anges, je ne sais pas si vous en souvenez. Ah oui, ça avait foiré. Ça allait jusqu'au 12. Hein. Le retour de notre saison. On avait fait une petite 3-4 jours dans une maison à Paris. On avait eu le temps de discuter avec Aurélie et je lui avais dit il n'y a aucun problème. Et même s'il s'était passé quelque chose là-bas, qui restera entre nous, mais je peux dire quand même que j'ai été extrêmement présent. Aujourd'hui, on s'appelle avec Aurélie, on n'a strictement aucun problème. Par contre, c'est vrai qu'en 2016, on entretient vraiment de très bonnes relations avec Aurélie, que ce soit bien clair, même pas dans son livre, sa carrière musicale et tout. Je la soutiens, c'est vraiment beaucoup de bienveillance et de tendresse entre nous. Maintenant, c'est vrai qu'à cette période, il y avait eu ce dilemme, on va dire, compliqué. Il y a eu un harcèlement. J'y ai participé un petit peu, c'est vrai. Mais après, j'ai été aussi victime d'un gros harcèlement aussi. Et par contre, qui était factice, et pourtant on n'a rien dit. Parce que pendant des mois et des mois et des mois, quand je me suis fait traiter d'homophobe pour une relation factice, personne n'a rien dit. Oui, mais c'est là, pas tu fais toi référence à la relation qui était développée entre Andréane et Aurélie Preston. Voilà. Tu étais le seul au départ à dire que c'était faux. Et un an après, l'une des deux, Aurélie Preston, avait avoué publiquement que c'était une fausse relation. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as des regrets ?
J'ai des regrets que ça ait pris des proportions trop importantes. Après, c'était de l'acting. Enfin, c'était trop facile, de dire que c'était de l'acting, c'est pas vrai. Mais c'était un contexte bien particulier. C'était les Anjouites. Vous l'avez vu et vous le savez maintenant, avec le recul, si bien de voir un peu les Anjouites, donc 2016 et maintenant 2024, les gens, comme ils avaient la dalle, je vous rappelle, Sarah Frézou, Jazz, comme maintenant vous voyez à Dubaï avec des maisons à des millions d'euros, Sarah Frézou qui doit vivre là-bas aussi. On parle de personnes qui ont toutes pété. Donc elles sont arrivées dans cette saison en mode déter, on veut défoncer tout et tout le monde. Donc il y avait Aurélie Pressonne sur le chemin, c'était un peu la guerre. Moi, je pense pas que je faisais partie des mecs qui voulaient vraiment tirer leur épingle du jeu. Mais ça a été compliqué pour tout le monde cette saison. Qu'est-ce que tu veux dire, les Anges, c'était l'occasion en gros de faire son trou? Évidemment. De créer sa carrière d'influenceur? C'était clairement le jour, c'était vraiment la première étape. Pas forcément de carrière d'influenceur, parce que je pense pas que vraiment on disait influenceur. Ça a commencé en 2016, vrai, à s'industrialiser. Mais de personnages de public, en tout cas sur la télé-réalité. Ils ont tous enchaîné. Mais ça laisse une sensation comme si c'était un peu sans foi ni loi, quoi. Sur cette saison-là. Complètement. Mais vous le voyez quand même à travers l'écran. Et le retour, ça a été le même. Les problèmes qu'il y avait eu avec Mila aussi. Il y avait eu le problème avec, notamment avec Aurélie, avec Andréane, avec Raph, avec Dimitri. Il y a eu des problèmes de tout. Et tu n'avais pas mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur... Est-ce que tu avais perçu les fragilités d'Aurélie, par exemple? Il ne faut pas oublier, cette fragilité, elle a duré le temps de la pseudo-relation. Parce que juste après... On en rediscutait avec Aurélie, on n'avait aucun problème, Aurélie et moi. Après, la guerre, elle est repartie pendant la diffusion, mais sinon, je n'avais aucun problème avec Aurélie. C'est après, quand il y avait le Mad Mag, oui. Quand ça commençait à lancer des punchs, tu piques, je te pique aussi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, mais vraiment, Aurélie, on l'appelle maintenant. Elle répond, elle est sympa. Et FaceTime pendant des heures, vraiment. Vous allez boire un café? Ben non, parce qu'elle habite un peu loin. Ouais. Et même, elle a eu des problèmes en interne. J'ai été là, on se parle, il n'y a vraiment aucun problème. Eh ben merci beaucoup, Jeff. Et merci à vous, les chroniqueurs, d'avoir posé vos questions qui tuent. On enchaîne avec un pop-up. On va parler d'une information qui vient de tomber il y a quelques heures. 2 ans de procédure, 28 prévenus, 28 condamnations, dont 14 avec de la prison ferme, allant jusqu'à 12 mois quand même, d'emprisonnement ferme. Les avocats de Magali Berda disent que c'est une première dans une affaire de cyberharcèlement. Magali Berda se positionne d'ailleurs avec son conseil dans les médias comme un symbole, quelque part, de la lutte contre le cyberharcèlement. Regardez. Décision qui est historique dans la lutte contre le cyberharcèlement. Il y a ici 28 condamnations à des peines de prison, dont 14 peines de prison fermes. C'est pas parce qu'on s'appelle Eliafa qu'on a 6 millions d'abonnés qu'on peut tout dire et tout faire. Et on n'est pas au-dessus des lois. Et aujourd'hui, la justice est en train de rétablir les choses. Et ça commence par la meute, si je peux l'appeler comme ça. Et j'espère que cette histoire se terminera par sa condamnation à lui. Enfin, on me reconnaît comme victime. Enfin, on déclare que ce que j'ai subi, c'est grave. Et enfin, on déclare que ça ne peut pas rester sans conséquences. Parce que ma vie, aujourd'hui, elle a été détruite pendant 2 ans à cause de ça. Pourtant, de façon factuelle, sur les réseaux sociaux, notamment sur X, donc anciennement Twitter, Magali Berda, qui était en top tweet, ne semble pas être vue comme un symbole de la lutte contre le harcèlement. Les tweets, en grande majorité, semblent démontrer une audience réfractaire à cette image de symbole, allant jusqu'à écrire « Stop à l'escroquerie, c'est grave, Magali Berda a mis en place une arnaque à grande échelle et a arnaqué des milliers de personnes et ce sont ceux qui dénoncent ces pratiques commerciales qui sont devant les tribunaux. C'est beau le blanchiment d'escrocs. Moi, j'attends juste un procès pour blanchiment et escroquerie. On va vraiment pas mieux que cette... On n'a vraiment pas mieux que cette multirécidiviste de Magali Berda pour servir d'égérie de la lutte contre le cyberharcèlement. Je tiens à préciser que ce que je lis est factuel. Si on scrolle sur Twitter à la date où on est en live, non mais c'est important de le dire, d'ailleurs j'en ai fait le screen, on voit bien que l'ensemble des tweets en grande majorité sont dans ce chemin-là. Première question. Pourquoi, malgré ces 28 condamnations, dont 14 avec de la prison ferme, donc pour cyberharcèlement contre Magali Berda, la majorité des commentaires sur X semblent regretter que ce combat contre le cyberharcèlement soit représenté par Magali Berda? Jeff, est-ce que tu comprends cette indignation sur X, cette non-compréhension sur X? Et après, on vous parlera des amalgames, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dans cette histoire. Malheureusement, la situation de Magali Berda, c'est juste le revers de médaille. Elle a tellement arnaqué de personnes. Alors oui, les gens s'y prennent extrêmement mal en l'harcelant, tout ça. Juridiquement, ils se mettent dans des positions un peu trop délicates. Mais en soi, t'as que ce que tu mérites. Je pense pas qu'on mérite du cyberharcèlement. Je suis désolé, mais elle a fait tellement de... Bip. Voilà.
Et elle a arnaqué tellement de personnes et elle a tellement mangé sur le dos. Alors attention avec les mots que tu utilises. Elle est soupçonnée. Il y a une enquête pour pratique commerciale trompeuse. Oui, alors oui. Ouais. Non, c'est pas si je veux. Raison, c'est qu'on veut respecter, oui, on veut respecter la liberté d'expression. Pour protéger mon arrière-train aussi juridiquement, c'est pas mal. Mais elle a tellement potentiellement croqué sur le dos de beaucoup de candidats de télé-réalité. Elle a tellement fait d'argent, clairement, potentiellement, bien sûr. Alors oui, juridiquement, c'est pas top, et même au niveau humain, de se faire harceler, même, je pense que ses enfants, aussi, ses filles probablement sont fait harceler aussi. Mais je pense qu'elle a voulu jouer, potentiellement, elle a voulu jouer à un jeu marketing qui n'était pas le sien, s'exposer autant, tu joues, tu perds. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le public sera en train de faire un amalgame? Et en fait, mélange deux histoires. Parce qu'il y a une histoire, il y a une histoire qui dure depuis 2 ans. Elle attaque 28 personnes pour cyberharcèlement. Ce sont des personnes qui ont usé de mots inacceptables, oui, que ce soit sur sa condition de femme, que ce soit sur sa religion, que ce soit sur d'autres sujets. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, en fait, ces 28 prévenus, ils se sont trompés de combat. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils auraient pu dire la même chose, mais ne pas se mettre dans une situation pénale répréhensible. C'est exactement ça. Je pense que tous ici, enfin, probablement vous un peu plus, parce que vous êtes un peu plus dans la hype que moi, on se reçoit, vous êtes tous reçus des insultes. Tous. Tous les jours. Tous les jours, on est d'accord. Je ne dis pas que c'est, je le cautionne pas du tout, c'est ignoble. J'en ai trop reçu sur ma famille et tout, je comprends. Mais elle en soi, toi, tu n'as arnaqué personne, tu vois ce que je veux dire, Sam. Te recevoir des insultes, c'est pas du tout crédible. Mais elle s'est mise dans des positions, et surtout, Booba, il avait dans le viseur. Il a snipé. Alors, je vais vous donner la parole, les chroniqueurs, mais permets-moi, Jeff, encore une fois, de faire mon monsieur relou et de reprendre tes propos. J'ai pas parlé. Non, c'est juste par rapport à arnaque. On ne peut pas imputer un fait d'arnaque qui est un délit tant que ça n'a pas été jugé, d'accord, par des personnes officiellement, par une audience, avec un procureur, des juges, etc. Okay. Par contre, de façon factuelle, oui, on peut dire, est-ce que Magali Berda a fait la promotion de comptes CPF qui n'étaient pas homologués par l'État? Oui. Est-ce qu'elle a vendu, au travers de ses influenceurs et elle-même, des box à bonbons, les annonçant à 1 euro alors que c'était un abonnement qui était à 29,90 €? Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dropshipping? Oui. Est-ce qu'il y a eu des colis qui n'arrivaient pas? Oui. Est-ce qu'il y a eu de l'incitation à faire la chirurgie esthétique au travers d'injectrices illégales? Oui. Ça, c'est factuel. Aaron. Oui. Alors, moi, je trouve que, Jeff, dans ce que tu dis, c'est en fait, tu mélanges un peu tout. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris parce que je pense que rien ne peut justifier un cyberharcèlement. Rien ne peut justifier une attaque contre la religion de quelqu'un. Et là, on parle de ces arnaques, mais moi, c'est même pas le sujet. En fait, là, on parle juste d'une personne, d'une victime aujourd'hui, qui s'est fait harceler sur les réseaux sociaux. On s'en fout de la raison. Ça a duré des années. Elle a été très mal. Elle a fait de la dépression. Parfois aussi, voilà, on la voyait. Elle avait aussi un peu dit, voilà, qu'elle avait envie parfois de faire quelque chose de très grave suite à ces menaces-là. Et pour moi, les gens sur X, en effet, pourquoi ils n'arrivent pas à s'attacher à la décision de justice? Parce qu'ils n'arrivent pas à détacher l'affaire de la victime. Oui. Et donc, ça veut dire que pour eux, ils voient Magali Berda comme une potentielle. Je vais te donner un exemple. Typiquement, demain, si Marco Mouli, on connaît tous Marco Mouli, le roi de l'arnaque, Netflix, etc., des millions et des millions d'euros sur le dos des Français, de l'État, etc. Si demain, il se fait cyberharceler, maltraiter, insulter sur sa religion, sur autre chose, ou sur son orientation ou autre, je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas ce qu'il pense, typiquement, il pourra lui aussi saisir la justice et il pourra faire condamner des personnes parce que c'est deux histoires différentes. Exactement. Ça me fait penser à l'histoire dernièrement avec Maya Nia. Maya Nia qui a été condamnée parce qu'elle a sorti le dossier médical, l'influenceuse Maya Nia, d'une personne qui l'a cyberharcelée. Elle dit qu'il l'a cyberharcelée. Bah, typiquement, elle s'est mise dans une position de délit en diffusant un dossier médical qu'elle n'avait pas le droit de sortir parce que c'est une information protégée par le caractère confidentiel. Ok, donc typiquement, c'est pas comme ça qu'on répond à une attaque. Mais j'ai enregistré une interview exclusive avec elle. Vous découvrirez ses propos très bientôt. Jinda. Alors, Aaron, le truc, c'est que c'est la conséquence, en fait. C'est ça. Je pense que Jeff, c'est ce que on est d'accord sur ça. C'est que oui, personne n'est ok avec le cyberharcèlement. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas de problème. Personne ne mérite ça. Ok. Mais en fait, c'est les conséquences. Tout ça est dû au fait qu'il y avait eu des problèmes avec les placements de produits, que des gens demandaient des remboursements qu'ils n'ont pas eu, que les gens cherchaient à avoir des réponses à des questions qu'ils n'ont jamais eues, qui sont passés par nous, qui sont passés par des médias, qui sont passés par Booba pour essayer d'avoir des réponses. Ils n'ont jamais... Et
été entendu par Magali. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement qu'elle a vécu, c'est la conséquence de tout ça. Je ne dis pas qu'elle le mérite encore une fois, parce que je te vois me regarder là avec tes lunettes. Là. Je ne dis pas, qu'elle le mérite, hein, mais je dis que c'est la conséquence de ça. Donc maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux dire à toutes ces personnes-là qui attendent encore aujourd'hui des réponses à tout ça? Tu leur dis quoi? Ben, en fait, on s'en fout de ce que vous avez vécu, on s'en fout des problèmes que vous avez pu avoir. Aujourd'hui, notre intérêt, la raison principale de tout ça, c'est Magali Berda et le cyberharcèlement. Non, répondez-nous aussi. Il y a des gens qui... Qu'elle n'était pas la seule, qu'elle n'était pas la seule à avoir une agence, qu'elle n'était pas la seule à faire du placement de produits. En fait, c'est inaudible pour les gens. Moi, je me mets à la place de ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est inaudible. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, mais attendez, on lui a envoyé des messages, on a envoyé des mails, on a téléphoné, on a eu... Blanche, il ne s'est rien passé. Oui, mais les 28 prévenus, les 28 condamnés, dont 14 qui vont faire de la prison ferme, allant jusqu'à 12 ou 14 mois de prison, je ne sais plus. C'est 12 mois de prison, c'est quand même énorme. Hein. On va en parler juste après. Ces 28 prévenus, ils n'ont pas servi la cause, quelque part, des personnes qui avaient des revendications. Alors... Parce que des problèmes avec des placements de produits. Non. Donc en fait, ils ont enterré le truc. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils ont changé l'histoire malgré eux. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont mal fait les choses, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ils ne savaient plus comment faire et qu'ils ont dû... Je ne connais pas les teneurs des messages. Hein, donc, Magali Berda, elle dit qu'ils ont y a été... Pas eu, y a pas eu, je ne connais pas les teneurs des messages. Je pense que pour aller jusqu'au tribunal et être condamné, je pense qu'on ne lui a pas dit juste va te faire voir, à mon avis. Hein, je pense que c'est allé beaucoup plus loin que ça, mais je n'ai pas les messages en question, mais est-ce qu'on peut aussi entendre la voix de ces gens-là aussi? Quel était le but, quel était leur intérêt d'envoyer des messages comme ça? Et ben alors, Magali Berda, ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, c'est que selon elle, c'est une meute qui, quelque part, suivait ce que faisait Booba, ce qu'avait initié Booba. Sauf qu'on l'a dénoncé ici, pardon, et je finirai là-dessus, sauf qu'on l'a dénoncé ici, elle s'en plaignait bien avant le combat de Booba, du cyberharcèlement. Rappelez-vous. Oui, mais ça a commencé. On va écouter Alexandra Ross et on va clôturer. Peut-être sur les peines de prison, allant jusqu'à 12 mois de prison. C'est ça que je voulais dire. C'est là où moi j'ai pris une énorme claque en préparant le sujet. C'est que je me dis aujourd'hui, 14 avec de la prison ferme, c'est pas que je relativisais. Mais le cyberharcèlement, à moins, comme dit Jinda, on n'a pas la teneur des messages, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de passage à l'acte. Non. Le cyberharcèlement, c'est l'envoi de messages, de menaces de mort, d'intimidation. Mais qui peut avoir un impact très grand sur la santé d'une personne. Sur qui le bien sûr. Mais là, on parle quand même de prison ferme. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les médias, dans les faits divers, on n'a pas des agressions? On n'a pas des agressions? UL. D'autres que je ne citerai pas, et vous voyez de quoi je veux parler, qui prennent, par exemple, du sursis. On a vu en préparant l'émission. Il y en a. De quoi? Pierre Palmade? Par exemple, mais pas que, des faits divers en France où il y a une, deux, trois, et c'est du sursis qui sort. Là, on parle de... Alors attention, encore une fois, pareil, je prends des pincettes, c'est extrêmement grave le cyberharcèlement. Bien sûr, c'est grave. Oui, d'accord. Mais j'ai pris une sacrée claque. Et je me suis dit, je ne sais pas si j'avais envie d'avoir ce message-là de Magali Berda face caméra qui débriefe comme ça. En fait, le résultat m'a suffi. Moi, je me suis pris une claque. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire... Je me suis dit, ok, c'est grave, mais... Si tout était jugé comme ça, on verrait peut-être d'autres peines appliquées dans d'autres domaines. Non mais d'accord, mais ça veut pas dire que comme la justice fait mal son job une fois, qu'elle doit aussi mal le faire avec Magali Berda. Jinda, et puis on va conclure. Alors, moi j'ai noté parce que je trouve ça hyper intéressant. Alors moi je suis contente de voir que la justice française, elle sait faire son travail quand elle veut. Hein, et selon qui ça touche, surtout, j'aurais aimé qu'elle puisse le faire, notamment pour c'est vrai, voilà. J'aurais aimé qu'elle puisse le faire pour Nicolas, 15 ans, qui s'est ôté la vie le 5 septembre 2023, pour Juliette, qui s'est ôté la vie le 1er mai, pour Lucas, le 7 janvier. Ses potentiels harceleurs, d'ailleurs, ont été relaxés en appel. L'INSEE, qui s'est ôté la vie le 12 mai. Sa famille a d'ailleurs porté plainte contre Facebook et Instagram pour non-assistance à personne en péril. Alors, Magali Berda, c'est pas la plus grosse affaire, parce que partout dans les médias, on entend plus grosse affaire de cyberharcèlement. En fait, c'est celle qui a été le plus médiatisée. C'est tout. Parce que si les autres histoires dont j'ai cité, que j'ai citées juste avant avaient été un petit peu plus médiatisées, est-ce que tu penses qu'on aurait eu le même impact? Je pense pas. C'est bien pour la lutte contre le cyberharcèlement, hein, si ça peut calmer certaines personnes d'envoyer des messages inappropriés, je veux bien. Mais prison ferme,
54 000 euros de dommages et intérêts en collectif. Mais on parle de 12 mois ferme pour certains. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune homme, un ouvrier qui s'est fait agresser par un mec de 60 ans. Il faisait son boulot et un ouvrier, oui, il faisait son boulot et le mec l'a agressé et lui a planté la gorge. Il a failli mourir avec des propos racistes. Aujourd'hui, cet homme, il est en liberté. Alors, le procès, il est dans quelques mois, certes, mais pour l'instant, il est en liberté. Ça veut dire qu'à quelques centimètres près, il était mort. Il y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux bien que là, je bassie, en fait. Mais on va devoir clôturer ce pop-up. On en reparlera. Il y aura certainement des suites. C'est un premier volet des audiences qui touche Magali Berda. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire pour elle. Elle a été reconnue victime et ça doit lui faire du bien, quelque part, d'être perçue, reconnue comme une victime. Et quoi qu'il en soit, oui, ça te fait rire, Jinda. Bah, ça me fait rire parce qu'on aimerait bien aussi qu'elle dise quand elle perd ses procès. C'est un autre sujet. Ben voilà. Non mais c'est un autre sujet, mais bon, dans qui la vie. Qui est intéressant aussi. Ben oui, c'est intéressant aussi, mais après, on peut pas en vouloir à une personne de vouloir mettre en avant quelque chose de positif pour elle. Bien sûr. Tu vois, c'est quelque part peut-être une réaction humaine. Bien. Voilà. Ouais. Je ferai pas de commentaires. On peut passer. On peut passer, c'est mieux, je pense. Oui, on va enchaîner tout de suite avec un autre pop-up et vous allez voir qu'il est extrêmement intéressant aussi. On va parler. Oh, j'attendais l'overlay. Pardon. Ouais. Quelque part, tu vois, ça fonctionne. Voilà. Alors, ça, c'est une info Mediapart hein, qui a été confirmée par Olivier Véran. Tout le monde sait qui est Olivier Véran, rassurez-moi. Oui. Ok. Olivier Véran l'a confirmé au Figaro. Écoutez, il va remettre, donc c'est notre ancien ministre de la Santé, hein. Il va remettre la blouse blanche une fois par semaine en parallèle de son rôle en tant que député de l'Isère. Mmh. L'ancien ministre de la Santé va rejoindre la clinique privée des Champs-Élysées pour exercer. Dans la chirurgie esthétique, c'est une activité pour laquelle il va reprendre ses études à la faculté de Créteil pour se former à cette discipline. Donc il a expliqué que pour lui, ce qu'il va faire, c'est quand même, ça représente 15% de la population adulte française qui a recours à des soins de médecine esthétique et c'est quelque chose qui ne doit pas être dénigré. Puis il a listé les maux auxquels il compte répondre, comme une cicatrice sur le visage, un vieillissement accéléré lié à la ménopause ou encore une calvitie précoce. Si Olivier Véran donc dit avec cette nouvelle fonction vouloir aider les gens pour François Ruffin donc de la France Insoumise, il a écrit sur Twitter, sur X, Olivier Véran fuit la neurologie et l'hôpital public pour la chirurgie esthétique et la clinique privée des Champs-Élysées, un désert médical pour stars et influenceurs entre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Mediapart explique aussi que la clinique des Champs-Élysées est connue pour faire notamment de la promotion ou mettre en avant des chirurgies esthétiques comme les augmentations mammaires, arrière, les BBL, les injections. Et figurez-vous que j'ai pioché dans mes archives d'une enquête que je n'ai jamais sortie en 2018 où j'avais réuni tout un tas de photos, de vidéos, de personnalités qui venaient toutes d'une même agence et qui faisaient la promotion de la clinique des Champs-Élysées. Regardez, c'était en 2018. Donc alors les amis, je suis à la clinique des Champs-Élysées et là je suis en train de faire ma troisième séance de Vénus et de LED pour enlever les vergetures. Non mais on en parle de... Tu joues avec quoi dans tes mains? C'est quoi la table? Je suis bientôt chirurgien, les gars. Ouais d'accord, t'as rien du tout, pose ça, s'il te plaît. Ouais bien sûr. Oui. Vous donc, dites vos people vous mettent trop la pression. Il faut des métisses parfois. Et je suis tellement satisfait de la prestation que je tiens absolument à partager avec vous l'adresse. Et c'est la clinique des Champs-Élysées. Hashtag clinique des Champs-Élysées, hashtag with the best, at Jessica Thivenin, at Thibaut Miami, hashtag toujours un plaisir. Hashtag merci pour le déj, @ Nicolas Lodzina, @ Julien Bert, hashtag bon week-end à tous, hashtag en mode Nabila. La sublime Claire Tomek nous a rendu visite à la clinique pour sa séance de mésolift. Les hommes aussi prennent soin d'eux, @ Dylan Thierry ne nous dira pas le contraire, hashtag Mimi Luzon, hashtag glow, hashtag skincare. Toujours un plaisir de passer à la clinique des Champs-Élysées. Merci de prendre soin de moi. Merci à la clinique des Champs-Élysées. Coucou les amis, j'ai fait une petite visite aujourd'hui à la clinique des Champs-Élysées avec mon chéri. Un grand merci à Tracy, ma chérie, de nous chouchouter autant à chaque fois. Tous les meilleurs chirurgiens, médecins, dentistes. Petite visite à la clinique des Champs-Élysées, tellement cet endroit, tout est possible, réalisé. Aujourd'hui, j'ai fait un vampire lift. Merci, ma Tracy. @ clinique des Champs-Élysées. Hashtag clinique des Champs-Élysées. Hashtag petit café. Hashtag avec ma mag et sa crew. Voilà, donc ça c'est des éléments que j'avais gardés depuis 2018 parce que moi je m'indignais déjà à l'époque, mes vrais qui me suivent le savent, je m'indignais de cette promotion en série de la chirurgie esthétique et quand je posais la question en interne, qu'est-ce qu'il m'était répondu? Il m'était répondu mais c'est pas
pas du tout de la promotion de la chirurgie esthétique. Je te mets au défi de me prouver que je suis en contrat avec cette clinique. Voilà. Et à l'époque, je me souviens, je m'étais procuré le contrat d'une dite agence. Il y avait bien marqué qu'il y avait une clause d'exclusivité qui liait cette agence avec le candidat. Et c'était bien écrit noir sur blanc, je l'ai ce contrat, que si ce candidat faisait la promotion même de prestations de services, même non payées, il n'en avait pas le droit parce que tout devait passer par l'agence. Donc j'en avais déduit que quelque part, il y avait une implication de l'agence. Et quand on voit ça, on se dit, c'est pas possible qu'autant d'influenceurs fassent la charité et soient des âmes aussi charitables gratuitement. Enfin, je sais pas, c'était la question que je m'étais posée. Mais bref, revenons à nos moutons. Parlons d'Olivier Véran qui potentiellement fera des injections à Nabila. Je plaisante, je ne sais pas. Comment vous accueillez cette information révélée par Mediapart, Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, qui s'était battu médiatiquement pour l'hôpital, c'est ce qu'il disait, pour l'hôpital public, aller dans une clinique privée spécialisée dans la chirurgie esthétique, choquée ou pas, Alexandra Ross? Archi choquée, mais je pourrais en chialer tellement ça m'énerve. Parce que, en fait, je sais pas, Olivier Véran, oui, moi j'ai un profond respect, ministre de la Santé, on a traversé la crise du Covid, aujourd'hui il est député, il a une responsabilité, il était en service de neurologie, on sait aujourd'hui, la neurologie, je me dis, ça veut dire que le bagage qu'il a, c'est le bagage d'un vrai médecin, c'est quand même l'élite, quoi. Tu te rends compte, bac plus 11, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui dans la clinique des Champs-Élysées? Pas que je critique, mais juste, je comprends pas le gap. Si ce n'est, j'ai peur et pardon, je veux pas faire du mauvais esprit. J'espère que je me trompe. J'espère juste que c'est pas un petit carton comme ça avec un petit montant qui est mis et que c'est ça qui fait qu'on fait une passerelle entre. Genre pour faire une publicité. Et le privé, qui s'appelle un petit peu des zéros quoi, et un petit chèque qui se balade par là. Parce que sinon, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Jinda, cette information, moi, j'y ai pas cru quand je l'ai vue dans mon feed hein, au départ. Hein. Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes choquée, étonnée. Il y a rien de. Enfin, il n'y a rien de grave, quoi. Il n'y a rien de grave. Non, c'est ça. On s'y attend pas. Mais après, c'est juste une reconversion. Il veut faire autre chose. Je pense que peut-être aussi le fait d'avoir été ministre, député, il a envie de faire autre chose. Moi, j'ai pas été. Non, t'es ironique. Bah, quand même. Mais pas du tout. Je te promets que non. Deuxième degré. Mais non, pas du tout. Bah après, c'est pas parce qu'il a fait. Mais non, c'est pas parce qu'il a été neurologue qu'il peut pas ensuite se spécialiser dans un autre domaine. Aujourd'hui, la clinique des Champs-Élysées, je crois, si je me trompe pas, qu'elle ne fait plus trop justement d'influenceurs, de télé-réalité. Elle a changé d'image, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais pourquoi tu rigoles? Mais parce que j'essaie juste de remettre en perspective. Je me dis, il a été notre ministre de la Santé, il a une crédibilité, il a un passif, il a servi la France. Oui. La France, s'il te plaît. Neurologue. On va faire du coup pour la France, non? Neurologue. On va pas faire autre chose. D'accord, neurologue. On va faire un truc. Ministre de la Santé. Et là, d'un coup, tu vas mettre des prothèses sur les. Non, mais ça, on sait pas ce qu'il va faire. Hein. Ah, non, il faut quand même qu'à un moment donné, au niveau de ta carrière, il y a un problème. Donc, je pense que très récemment, il suit la hype. Et malheureusement, peut-être que dans une semaine, il sera sur TikTok. Et malheureusement, je pense qu'elle a raison. C'est l'argent. On a un désert médical en France. On a des villes, il n'y a plus de médecins, d'accord? On voit des banderoles dans des petits villages, recherche médecin. Il y a des femmes qui doivent faire 50 km dans le centre de la France pour accoucher. S'il vous plaît, réfléchissons avec les agences régionales de santé à trouver des situations. Ça devrait être la logique. Mais il n'est plus ministre. Moi, je ne suis absolument pas choquée. Il ne faut pas condamner les gens qui étaient ministres à faire ce métier ou être dans les clous ou dans la neurologie toute leur vie. Attention, si tu as entendu ou bien lu, c'est une fois par semaine. Où est le problème? Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire un peu compliquée avec cette clinique-là, enfin, ce centre de chirurgie-là. Oui, ils ont arrêté la DA influenceur candidat télé-réalité, me semble-t-il, ce que je vous ai montré date de 2018. Voilà. Exactement. 2018, 2019, 2020. Et effectivement, on lui reproche beaucoup en fait, d'avoir soutenu donc, les hôpitaux publics lors du Covid-19, mais en quoi soutenir les hôpitaux en tant que ministre de la Santé le condamnerait à travailler pour ces hôpitaux-là une fois qu'il aura plus de temps? Et pour terminer, là où moi, effectivement, je trouve un petit peu mytho, c'est que quand il cite ses raisons, il peut dire que c'est en vrai pour l'argent, et en vrai c'est ok aussi. Oui, il essaie de passer ça sur une cicatrice. Tu vas me dire que ça, tu l'as pas vu quand même, Jinda. Une cicatrice à effacer. Après, ce qui pourrait être intéressant, peut-être, à ce moment-là, c'est qu'il y a un rôle. Est-ce qu'il va intervenir dans l'encadrement
de la chirurgie esthétique. Non, peut-être. Si il reprend une formation, il va c'est vraiment qu'il va être dans, il va faire la pratique. C'est lui qui va faire les injections. Bah, vraiment. Peut-être. Il va travailler à la stratégie. Mais Alexandra, tu sais ce qu'on va faire? Non, je ne vais pas y aller. Non, on va prendre un rendez-vous avec Olivier Véran. Ah non, parce que je vais avoir lui parler de la France et du problème médical. Et tu lui poses je ne vais pas avoir envie qu'il me fasse les ridules. Mais attendez, il ne va pas aller faire des injections. Alors du coup, il ne va pas aller faire des prothèses mammaires. C'est pas, je ne pense pas, effectivement. Je pense que ça va peut-être de la chirurgie réparatrice. Oui, mais voilà, c'est plus dans ce domaine-là. Parce que vous, dans votre tête, oui, il va aller faire des injections aux lèvres à Nabila. Il va augmenter les seins de Maëva. Mais ça, on ne sait pas. Alors, médecin esthétique, tu peux être amené à tout faire. Hein. Oui. Tu peux être amené à effacer une cicatrice, mais tu peux être amené à mettre du Botox aussi. Mais il a raison après, même si c'est ça. Mais est-ce que je viens de dire qu'il y avait un problème avec ça? Ah non, pas du tout. Non, mais je vais prendre Alexandra. C'est juste au niveau éthique, moi, c'est compliqué, je trouve. Bah, après, c'est... Moi, c'est juste par rapport, si je peux me permettre, bien sûr, je vais me permettre. Non, mais moi, c'est par rapport à tout l'épisode qu'on a traversé du Covid. C'est vrai que c'était la tête, c'était le fer de lance quelque part de tout ça. Et je me dis, en fait, c'est ce type de, sincèrement, ce que j'ai au fond de moi. Je me dis, c'est ça qui montre aujourd'hui. Alors que quelque part, pendant qu'on a traversé toutes ces horreurs, le discours, il était complètement différent. Je trouve que ça dessert ce que j'ai entendu par le passé. Voilà. Donc, problématique. Moi, c'est juste ça. C'est juste ça. Sinon, ce qu'il fait de sa semaine, de son jour par semaine, je m'en fous. Mais je vois pas le rapport entre l'épisode qu'on a pu traverser pendant 2 ans et le fait et sa reconversion. Quand il était ministre de la Santé, il avait un rôle, il avait un devoir, il n'était pas maître de ses propos. En fait, c'est l'image. T'es dans une clinique qui est dans le 8e arrondissement, qui reçoit plein de célébrités. C'est encore une fois, si tu veux, on a l'impression d'être encore une fois dans le mec était dans le gouvernement avec les élites, avec les plus riches, avec les stars, avec les people. Et contrairement à tout ce qu'on nous a dit, je suis proche des gens, je suis proche du peuple et je suis là pour vous aider et régler vos problèmes, en fait, c'était que de la fumisterie. Voilà potentiellement ce que les gens pensent. Après, il a expliqué, parce qu'il a expliqué aussi pourquoi il avait choisi ce centre-là et pas un tas public, parce qu'effectivement, il avait peur que son ancien statut de ministre de la Santé lui cause des torts, effectivement, dans ses soins médicaux en hôpital public. Pourquoi? Et du coup, parce que peut-être qu'il y a eu, une admiration envers Olivier Véran, peut-être que ses patients n'auraient pas été forcément. Mais l'admiration de ce qu'il a dit à la personne qui. Non, en tout cas, je vous rapporte ce qu'il a dit, mais juste pour expliquer, pour comment lui, il a expliqué ce choix de centre privé au détriment d'un hôpital public. Et quoi qu'il en soit, nous verrons. Oh, avec un nouveau pop-up. Non, c'est pas un pop-up, c'est le challenge. Ah. Moi, je suis perdue, du coup, j'ai tout coupé. Mon grand Jeff, tu as déclaré que certains candidats de télé-réalité étaient des cassos. Ouais. Ça t'étonne ou pas de toi? Non, pas du tout, ça m'étonne pas du tout. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas que des cassos dans les candidats que tu as croisés. Mais dans mon parcours, j'ai rencontré des personnes incroyables. Ah, incroyable. Voilà. C'est pour ça qu'on t'a concocté un challenge aux petits oignons. Regarde, tu as un buzzer rouge, tiens, un buzzer vert. Le buzzer rouge, je vais te montrer des photos. Buzzer rouge, tu clashes, tu décides de clasher et t'expliques pourquoi. Ah, tiens. Buzzer vert, tu complimentes et t'expliques pourquoi. T'es prêt? On se fait ça du tac au tac? Go. C'est un vrai exercice. Bac 2024. On y va. Allez, on commence tout de suite avec Sarah Frézou. Sarah Frézou, quel buzzer, le rouge ou le vert? Allez, Jeff. Ah, tu complimentes. C'est bien parce que, visiblement, elle a perdu du poids, donc c'est cool. Elle a repris un petit... et elle a réussi. Elle est à Dubaï, elle a fait ses sous. Elle a quitté Dubaï. Ah mince. Elle a réussi quand même. Voilà, elle a réussi un petit truc qu'elle avait à faire. C'est bien pour elle. Je te propose maintenant de complimenter ou de clasher Nicolas Lodzina. C'est compliqué, je vais pas le clasher, mais je vais pas le complimenter non plus, mais... Si, tu viens de cliquer. Il a un enfant, c'est cool pour lui. On enchaîne avec Jazz. Jazz, on en parlait tout à l'heure. Jazz, tu complimentes ou tu clashes? J'ai rien contre elle, je vais pas la clasher, mais juste pour... parce que je vais pas complimenter tout le monde non plus. Non, il faut que tu sois sincère. Elle gère très mal son image, je trouve. Très moins gestion d'image et un peu trop vulgaire. Tu peux pas passer maintenant vraiment en tant que maman. Ça n'a rien à voir, ça. Ah non, pour moi, oui. Ah bah pour moi, non. En tant que maman, en tant que ça, tu peux pas continuer à donner une image, à dire des grossièretés, tout ça. Tu peux pas. Elle gère mal son image de maman, je trouve. Bon, écoute, c'est ton avis. C'est mon avis. Néouda. Ah, fort. Gros talent, sous-côté au niveau musical. Après, c'est un personnage, je sais, mais elle a un vrai talent et c'est dommage qu'elle ait été mal encadrée au niveau artistique parce qu'elle avait vraiment un truc, vraiment.
Coralie Porovecchio, et qui t'a partagé les Anjouites à l'époque. Autant rouge que vert. Intéressant. Pourquoi ? Parce que humainement, je l'adorais. C'était vraiment un très bon personnage, mais quand elle est arrivée à Marseille, alors qu'elle était avec un footballeur qui joue à l'OM, donc je lui ai envoyé un petit message, alors que zéro ambiguïté, hein, c'était ma pote. Quand elle était avec Raph, on était plein de FaceTime et tout, et quand elle est arrivée à Marseille, j'ai dit, vas-y, on se voit et tout, on se boit un café, je te montre un peu Marseille. Pas de nouvelles. Ça m'a un peu attristé parce que je me suis dit. Je sais pas, j'ai pas compris quoi son silence. Mélanie Dacruz. Vraie femme, vraie princesse, même si ça fait des années qu'on ne s'est pas eu au téléphone, tout ça, mais adorable, gentille, sincère, vaillante. J'ai beaucoup de respect pour elle. Ricardo. Ricardo, les Anjouites aussi. Ouais. J'ai rien contre lui aussi, je peux pas le compl- je crois, je vais complimenter tout le monde. Mais il faut que tu sois juste honnête. Ouais, tu complimentes tout le monde. Ah non. Il a eu. Les enfants, là, les enfants qu'il avait avec Néouda. Ah ok, moi aussi j'ai eu un gosse, tu m'adores. Ok. Non, après non, c'est un bon gars, moi j'ai jamais eu de problème avec lui, il a fait son petit truc à Avignon, je suis très content pour lui. Raphaël Pépin. Il est à Bali maintenant. Raphaël, encore une fois, c'est un gars que tout le monde pense il est méchant, il est testé et tout. J'ai jamais eu aucun problème avec lui. Très gentil, très respectueux avec moi, donc je suis très content qu'il vive en plus à Bali, donc je suis très content. Edgy. Edgy Fufuna. Ah, Edgy, ben, Edgy, on a pas mal d'amis en commun, donc très bon danseur, beaucoup de sensibilité commune, très gentil, feu. Bah tiens, on l'a vu tout à l'heure, Yesta, qui a fait aussi Koh-Lanta. Alors on sait, je vais être obligé de liker parce que c'est la femme à Benoît, que j'aime beaucoup, elle a fait Koh-Lanta, on a juste eu l'occasion de déjeuner une fois ensemble. Adorable cette femme, adorable. Et Benoît et elle, ils sont magiques, donc j'aime beaucoup. Un candidat culte de Koh-Lanta, Teuera. Teuera, pardon. Teuera. Teuera. Je le connais pas, donc pas je le connais pas du tout. Je vais le complimenter pour son aventure. Il a fait quand même un sacré parcours et c'est devenu une légende à l'image de Mundir, tout ça. Donc, Et de Claude. Allez, les deux petits derniers, Mundir. On a Anaïs Kamizouli. Anaïs, c'est la famille. Anaïs, Marseillaise. Anaïs, j'aurais adoré faire les aventuriers avec elle. Parce que deux Marseillais, sanguins, sans aucune ambiguïté, hein, c'est la clique. Hein. Mais on avait fait un programme d'ailleurs avec elle qui s'appelle le JT Maison. On était avec Bengouz, tout ça. Et on s'est régalé. Mais malheureusement, ça fait 4 épisodes. Mais Anaïs... Et enfin, Tarek Benatia. Tarek, putain, vous allez croire que j'aime tout le monde, mais en même temps, là, je suis... Tout le monde dans le chat dit, en fait, c'est pas qu'il complimente, c'est qu'il dit où ils habitent. Non. Non, mais Anaïs, c'est une Marseillaise. Tarek, très gentil. Il habite où, Tarek? Paris, je crois. Il est revenu à Paris. Tarek, humain, adorable, toujours des messages gentils et bienveillants. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa femme et ses enfants. Eh ben, merci, Jeff. On retourne à nos pop-up adorés, vous allez voir. On va parler d'une candidate qui s'appelle Alice, qui a fait plusieurs semaines dans une télé-réalité qui s'appelle We Are Open, une télé-réalité qui est diffusée sur l'application OO. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain. C'est quoi? C'est jeudi déjà? Donc oui. Aujourd'hui pour YouTube, pour le dernier prime de tous les enjeux. Ça va être cool, je pense. Sur YouTube? Sur YouTube, j'ai dit? Oui, non, pour demain, YouTube. Pour ceux qui voient sur YouTube. Ah, pour nous, ceux qui nous regardent sur YouTube. Ah, pardon. Parce qu'au moment où on enregistre sur Twitch, on est mercredi. D'accord, non, je pensais qu'on pouvait retrouver OO sur YouTube, et là, j'allais dire, mais il fallait le dire plus tôt. Parce Non, OO, tu le trouves sur l'application. Sur l'application, OO. Donc, tu trouves d'autres applications avec des replays. Avec une exclusivité, du coup, ou pas? Je peux la parler de l'exclusivité sur OO? Quelle exclusivité? Tu peux parler de ce que tu veux, mon chat. Mon ami, ah, oui, Alex. Bien sûr. Mais c'est pas le sujet, mais t'as mais un je vais pote le dire dans, quand même. T'as un pote dans We Are Open, j'ai, c'est ça? Ouais, j'ai un ami qui va être qui est dans We Are Open, Alex Cohen, et allez le suivre parce que c'est une bombe. Allez, ok. Et ben nous, on va parler d'Alice. Alice, c'est une candidate qui a quand même pas mal créé la controverse hein, depuis le début de l'émission, depuis que We Are Open a commencé sur OO. Et vous allez voir, on va vous montrer une séquence où elle a eu un véritable différend avec une autre candidate qui s'appelle Anaïs. Alors, il faut savoir que dans cette séquence, et ça, vous allez pas l'entendre, à un moment donné, elle, pendant qu'elle se dispute, elle lui dit « Toi, tu viens du bled ». Ou quelque chose, c'est cette phrase qui est dite, toi tu viens du bled. L'intention, je peux pas vous la dire parce que je n'y ai pas assisté, mais c'est cette phrase qui est dite, tu viens du bled. Faut savoir que la production, elle a pris la décision de ne pas relayer ce propos, ça veut dire qu'elle l'a coupé. La production du montage qui a été relayé sur les réseaux sociaux, okay. Le clash a été diffusé, mais le tu viens du bled a été coupé et la production l'a expliqué en disant, dû à la gravité des propos d'Alice et de leur teneur discriminante, nous ne pouvons pas diffuser le passage en question dans son intégralité. Nous cautionnons aucun propos, c'est iste, raiste et homo.
Voici la vidéo, donc, sans la fameuse phrase. Regardez. Ma vie, en fait, les gens pensent que je suis fausse parce que je dis A, B, C, D. Et ils sont blessés par rapport au fait que je dise leur quatre vérités, en fait. Donc tu penses que je suis blessée par toi ? Mais pas du tout, ma chérie, pas du tout. Redescends, s'il te plaît, parce que pour l'instant, tu m'arrives pas à la cheville. Donc, s'il te plaît. Si tu veux. Voilà. D'accord, si tu veux. C'est toi qui es fausse, tu joues. C'est qui, René La Taupe ? C'est toi, ma chérie. Et alors ? C'est sur le ton de l'humour. Bah, René La Taupe, c'est les gens fous, en fait. C'est les taupes qui se passent, qui vont dans la terre. C'est le ton de l'humour. Tu sais pas rigoler ? Je vais jamais rigoler avec toi. Non, bah non, parce qu'on a rien en commun et on s'aime pas, donc voilà. Voilà, donc ça, c'est la vidéo qui a mis un petit peu le feu aux poudres. C'est animé entre les deux candidates et je vous ai expliqué la phrase « Tu viens du bled » qui a été coupée. Par la suite, il y a le candidat Lexo qui a essayé de faire comprendre à Alice que son propos était un propos Cicera. Voilà, regardez. Et vrai, c'est toujours les mêmes personnes en fait qui sont énervées par rapport à ces... Mais parce que c'est les mêmes personnes que... Mais parce que... Alors qu'aucunement, c'était pas ciblé en fait, donc regarde, s'il te plaît. C'est un propos... Voilà, si tu préfères. C'est un propos raciste. Mais aucunement, je suis pas raciste. Si, ben là, ben, tu dois... Tu regardes mon cercle d'amis, il y a énormément de personnes de couleur ou quoi. Eh ben non, là c'est un propos raciste. Et quand tu dis, ouais, je changerai pas tout ça, c'est raciste. Voilà. Eh ben, je changerai pas. Parce que depuis tout à l'heure, là, tu fais semblant de pas comprendre. Je te le dis. Bon, alors, désolé, je parlais en même temps parce que je viens d'avoir une information qui est tombée dont on va devoir parler après. Mais pour l'instant, on va faire ce pop-up-là. Donc, vous avez vu, vous avez compris le contexte. Beaucoup de personnes qui regardent l'application OO et qui regardent We Are Open ont estimé que les propos d'Alice, en fait, c'était une escalade de propos Cicera, que c'était de pire en pire, qu'elle avait aggravé son cas en disant « Mais c'est toujours avec les personnes comme ça que j'ai des problèmes, c'est toujours les personnes comme ça qui comprennent de travers. » Est-ce que c'est bien de pouvoir montrer ce genre d'échange? Est-ce que ce sont des échanges qu'on retrouve dans la vie? Est-ce que la production a bien fait de couper le mot mais de diffuser le clash? Allez-y. Bah en fait, oui, c'est très intéressant et bien de voir qu'effectivement sur une télé, on a ce genre d'échanges qui se font parce qu'en effet, comme expliqué du coup le candidat à cette Alice, il faut distinguer donc une personne Cicera et des propos Cicera. Et c'est vrai que Alice a eu des propos qui sont Cicera, mais ça ne fait pas d'elle effectivement une personne Cicera. En revanche, le fait qu'elle a été sanctionnée et donc exclue pour ses propos, c'est super que la production ait agi. Juste, c'est un peu dommage qu'ils aient pas agi de la même façon lorsqu'il y a eu l'altercation physique aussi quelques jours avant. Ça veut dire qu'ils estimaient peut-être que l'altercation physique qu'il y avait eu au travers du rouleau de Sopalin était moins grave que ce propos. Jinda, ton avis sur la question, est-ce que la production a eu raison de la mettre de côté? Est-ce qu'ils auraient pu, ils auraient dû la laisser malgré tout? Malgré ce propos, tu viens du bled. Alors, je vais enlever le fait que tu travailles avec cette émission. Ah bah bien sûr, on est libre. Non, non, mais... On dit tout ce qu'on veut. Non mais c'est pour éviter de te lécher les bottes, qu'on croit que je te lèche les bottes. Mais pardon, bravo encore une fois à cette production. C'est ce qu'on veut voir. J'allais dire un gros mot. Mais c'est ce qu'on veut voir sur les programmes actuellement ou ne pas voir, justement. Mais là, c'est action, réaction, tout de suite. Et en plus, la productrice qui se déplace, qui va parler au candidat, qui va dire pourquoi la personne a été licenciée, qui a été virée du programme, qui explique aussi indirectement aux téléspectateurs, à nous, ce qui s'est passé et pourquoi les candidats ont été virés. Là où, bah, sur des saisons peut-être ou dans lesquelles tu as pu être, Jeff, soit c'était validé par les productions, soit c'était pas diffusé, soit on avait les informations sur les réseaux sociaux, on n'avait rien. Et là, on sait tout, donc... Par rapport à ça, déjà, bravo. Alexandra. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce qu'on se dit, où est le modérateur dans ces cas-là? Si la production n'intervient pas, s'il n'y a pas un candidat, Lexo, tu dis qu'il s'appelle Lexo. C'est Lexo qu'on voit qui essaie de lui faire comprendre que le propos n'était pas acceptable. Et c'est tellement bien et soulignable, et ça aurait tellement pu tourner à la rigolade et à la banalisation de ce genre de propos, qu'il y a une personne qui a été capable de modérer la production derrière d'agir. Et c'est ce qu'on dit, ce qui fait, en introduction, tu disais, la télé-réalité aussi, on cherche à démontrer l'intelligence. Et ce que nous apporte la télé-réalité, c'est un exemple de la vraie vie, des choses qu'on peut entendre dans la vraie vie. Et c'est ça la force aussi du milieu de l'influence. Ça éduque aussi. Et c'est là où tu as raison, en présentant un débat ici, une émission de télévision, ça éduque aussi les gens et ça remet un peu les choses à leur place. C'est Cicera. Il y a un candidat. Un propos Cicera. Oui. Il y a un candidat qui l'explique pourquoi. Et il y a une production qui agit. À ce compte-là, c'est OK. Il n'y a rien à dire. Mais justement, Sam, elle a été... tu sais, si elle a été virée parce qu'elle a dit « tu viens du bled » ou ensuite
où c'est l'accumulation avec le fait qu'elle dise ensuite à Alexo, j'ai un il y a toujours un problème avec vous. Bah alors je vais pas me prononcer parce que j'en ai pas parlé avec la production. Okay. Et quand j'ai animé le prime de tous les enjeux le lendemain, le jeudi, très honnêtement, je l'ai découvert. C'est à un moment donné, j'ai une illumination. Je me dis, mais il y a pas Alice. Ah. Et c'est après, en allant sur Twitter, que j'ai découvert ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé que j'ai loupé? Parce qu'en ce moment, je fais 70 heures par semaine. Donc je vous cache pas que je passe à côté de pas mal de choses. D'accord. Mais c'est après que j'ai vu ça, je me suis dit, je trouve que c'est bien d'en parler. On a contacté Alice pour lui proposer d'être avec nous en Zoom. Elle a choisi l'écriture, elle nous a répondu... Alors déjà, je tiens à dire, avant de vous lire son message, que j'invite vraiment tout le monde à ne pas aller sur les réseaux d'Alice ou de qui que ce soit pour insulter, pour faire ce que l'on peut reprocher à quelqu'un d'autre, parce que ça ne le justifie pas. C'est pas parce que quelqu'un déconne sur un instant T qu'il faut faire pareil. Voilà. Alice a répondu, je suis désolée pour mon propos et je présente mes excuses auprès des concernés, Lexo et Anaïs. Confinés entre nous et sous le coup de l'énervement, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. C'était le cas à ce moment-là, étant très expressive, mes mots se sont emportés. Voilà. Ouais. Non, quand même. Hein. C'est vrai que quand Lexo lui expliquait, elle n'avait pas l'air très réceptive, mais bon, tant mieux qu'elle s'excuse. Peut-être oui, avec du recul. Avec le recul, mais bravo aussi à Lexo d'avoir pris la peine, en tout cas, d'essayer au moins de lui faire comprendre que ses propos étaient déplacés. Et, en plus, il a repris, enfin, vous avez repris exactement la phrase que je reprends toujours ici. J'ai l'impression de l'avoir dit au moins une dizaine de fois. Une dizaine de fois, de faire distinction. Et j'aime le fait que ce soit une personne noire, en plus, qui le dise, de faire la distinction entre un propos raciste et une personne qui est vraiment raciste. Même si derrière, elle essaye de se justifier, même si c'est inaudible aussi de dire mais non mais j'ai plein d'amis de toute origine et on ne dit pas une personne de couleur déjà parce que les blancs aussi dans ce cas-là sont de couleur mais c'est un détail mais en tout cas bravo à Alexo d'avoir tenté de lui expliquer bravo aussi à elle de s'être excusée. Il aurait peut-être fallu aussi le faire peut-être publiquement, je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Mais... Et en vrai, pour rebondir sur ton propos, le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs. Eh ben voilà, alors ça veut dire que tout le monde dit faux alors. Tout le monde dit faux. Et il n'y a personne qui reprend, c'est incroyable. Eh ben fallait attendre à 1973. Voilà. Donc, on ne veut plus l'entendre à partir d'aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous voulez voir l'intervention de la productrice? On veut surtout que Lexo vienne sur Agen. Ah ben on va regardons l'intervention de la productrice et après on va passer à l'information qui vient de tomber, qui n'est pas du tout prévue au conducteur. Ok. Ouf. Comme vous l'avez vu, Alice n'a pas dormi à la housse cette nuit suite aux événements d'hier soir. La décision qui a été prise suite aux propos discriminatoires d'Alice est une exclusion définitive. Nous vous rappelons que nous ne tolérons aucun débordement discriminant ou insultant sur la base de l'individualité de chacun, que ce soit de l'ordre, entre autres, du racisme, du sexisme, de l'homme ou de la religion. Et on espère qu'on n'aura pas à vous le rappeler. Voilà, donc ça c'était pour le pop-up, pop-up sur la Noémie. Noémie, bravo Noémie. Noémie. Ouais. Voilà, ça c'était le pop-up sur We Are Open, télé-réalité totalement inédite que vous retrouvez sur l'application OO. Voilà, vous avez un smartphone, vous pouvez aller dessus. Et oui, j'ai le droit de le faire. C'est pas de la publicité parce que dans ce cas, c'est de la publicité quand on dit aller sur Sixplay, aller sur M6 ou aller sur TF1. Donc il faut juste remettre un petit peu l'église au milieu. Et pour les prochaines saisons, s'il y a des prochaines saisons, s'il vous plaît, Noémie, mettez les épisodes dans leur intégralité. On veut des replays. Pour tout suivre, en fait. Oh, mais je suis persuadée qu'il y aura plein de choses. Bon, alors, on va vous parler d'une information qui vient de tomber. Là, vous voyez, je suis sur le site de BFM TV. C'était pas prévu du tout, donc on va totalement l'improviser. Ouais. L'influenceur Adé Laurent, visé par une plainte pour yole. Une jeune femme âgée de 28 ans accuse l'influenceur de l'avoir yolé en 2018 en Australie. Une plainte contre X avec constitution de partie civile a été déposée ce mercredi 20 mars à Paris. La plaignante est une jeune femme âgée de 28 ans qui accuse Adé Laurent de l'avoir en 2018 en Australie. Je réexplique pourquoi je ne dis pas les mots. À cause des algorithmes. A appris BFM TV de sources proches du dossier. Dans cette plainte déposée par les avocats de la jeune femme et que BFM Télé a pu consulter, les faits remontent à une soirée en boîte de nuit lors de laquelle la victime et une amie rencontrent l'influenceur Adé Laurent. Le jeune homme l'aborde et ils échangent leur numéro. Quelque temps plus tard, il lui propose de sortir dans un bar où il consomme de l'alcool. Il se retrouve ensuite chez lui, dans sa chambre fermée à clé. Toujours selon la plainte, la jeune femme refuse à plusieurs reprises d'avoir une relation CUL avec Adé Laurent sans préservatif, ce qu'il n'accepte pas. La plainte indique que malgré l'insistance de la jeune femme, son refus reste catégorique.
Toujours selon cette plainte, la jeune femme se retourne pour faire semblant de dormir et pour mettre fin à la contrainte exercée par l'influenceur qui insiste toujours. Mais Adé Laurent, selon elle, la pénètre sans son consentement. Contactée, Adé Laurent n'a pas encore répondu à nos sollicitations. La régie, au travers de mon oreillette, me confirme qu'Adé Laurent ne souhaite pas parler aux médias, ne souhaite pas s'exprimer. Vous me le dites si je me trompe. Voilà, la régie me dit qu'ils sont en train d'essayer de l'appeler pour permettre une prise de parole, permettre une réaction. Ils ne parviennent pas à la voir. Je vais donc vous demander déjà, dans un premier temps, on réagit comme n'importe qui, derrière son smartphone, qui découvrant ça. On connaît Adé Laurent, on l'a vu dans des téléréalités, on l'a vu en interview, on l'a vu sur ses réseaux sociaux, on le voit sur ses lives TikTok. Il est présumé innocent, c'est très important de le rappeler. Voilà, c'est très important de rappeler que tant qu'il n'est pas jugé, il est présumé innocent. Ça, c'est une information de BFM Télé que nous relayons. Tout simplement, en tant qu'humain qui découvrons cette information relayée par les médias, comment tu souhaites réagir? Ça te fait quoi, Jeff? Tu la découvres tout comme nous? Je ne peux pas faire plus que ça, il y a zéro préparation du coup là. Mais je ne connais pas le personnage, et bien évidemment, présumé innocent, donc je ne me prononcerai pas. Mais surtout avec la tendance qu'il a pris dans sa carrière en ce moment, notamment avec ses plateformes privées, tout ça, il se dit clairement assez proche de SEX. D'accord, je parlais comme vous, du coup, avec des codes, tout ça. Mais c'est trop facile de dire, mais c'est normal, parce qu'il maintenant qu'il fait ça, donc avant. Mais après, le fait que ça date de 2018. Ça daterait. C'est compliqué parce que cette vague de femmes et de personnes qui disent bah finalement 7 ans après, 8 ans après, 10 ans après, finalement cette personne m'a VIOLEA. Alors après, là je parle pas. C'est compliqué. Dinda, je vais te donner la c'est parole. C'est pour ça que c'est trop touchy là. En fait, Jeff, tu peux pas dire ça parce qu'il y a des personnes, peut-être qu'il leur faut 4 ans, 5 ans, 6 ans pour pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la libération de la parole. Et en fait, il y en a qui peuvent tout de suite et il y en a qui peuvent pas. Il leur faut un déclic peut-être aussi. Oui, on peut se poser la question du pourquoi, mais en tout cas, déjà, moi, quand j'entends cette histoire, je me dis déjà, j'espère qu'elle va bien, cette femme. J'espère qu'aujourd'hui, si c'est avéré que, elle se sent mieux, qu'elle va bien, tout simplement. Après, le fait qu'il fasse ce que tu dis sur les plateformes et tout ça, ça n'empêche pas, ça veut strictement rien dire. C'est pas parce qu'il est ouvert sur ses réseaux sociaux qu'il ne peut pas commettre ce genre d'acte. Non, au contraire, justement. Ah oui, voilà, d'accord. Mais je l'avais compris. J'avais compris l'inverse. Mais en tout cas, c'est vrai que ce soit dans le milieu de la télé, de la musique, du cinéma, maintenant des influenceurs. Voilà, il faut parler. Si c'est arrivé, il faut parler. Bien sûr. Aaron, comment tu souhaites réagir à cette information qui vient de tomber, qu'on découvre comme beaucoup Déjà, juste pour petite précision, même s'il faut du temps, il faut aussi le temps de conscientiser, parce que parfois, certains sont dans le déni, donc effectivement, il n'y a pas forcément de moment bon pour parler. Effectivement, alors moi, honnêtement, je ne suis pas choqué, je ne tombe pas dénu. Non, du sens, attention. Où il y a de plus en plus d'affaires comme ça donc, qui explosent aujourd'hui, où effectivement, les femmes parlent de plus en plus. Voilà. On attend de voir ce qui va se passer durant le procès. Et c'est vrai, pareil, moi, je pense directement à la présumée victime aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement où les femmes commencent à parler. Est-ce qu'elles ont tort? Est-ce qu'on les a raison? On ne le sait pas encore. Donc, malheureusement, plus rien ne me choque. Mais est-ce que tu penses qu'il peut pâtir de cette image? Il le disait, il l'évoquait, Jeff. Il est sur les réseaux sociaux, il en a fait sa direction artistique. Être sur les réseaux privés, les plateformes privées, telles que Mime, telles que OnlyFans, à parler avec beaucoup de liberté, de ses relations intimes, seul, à plusieurs, avec d'autres personnes, est-ce que tu penses que le public peut faire l'amalgame en disant « Ah ben, comme il fait ça, c'est logique. » Mais justement, et c'est là où il faut faire attention, soit parce qu'il a cette activité-là, que c'est logique. Justement, c'est ce que je disais, mais il faut faire attention parce que vu la direction qu'il prend maintenant, ça va être facile de faire l'amalgame en disant « Ouais, mais bon, vu qu'il fait ça maintenant, c'était évident. » Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, c'est vrai qu'il faut faire attention, il ne faut pas mélanger les deux. Non, il n'y a pas d'amalgame à faire, ouais. Voilà, exactement, il n'y a pas d'amalgame à faire, et qu'en plus, à chaque fois qu'il fait ça, tu vois, et aussi, les femmes acceptent, tu vois, c'est fait. Bien sûr, c'est du taf. Donc voilà, c'est du taf. Bien sûr. Exactement, c'est consenti, donc il ne faut pas mélanger les deux, tu vois. Et ça explique pas ce qu'il aurait pu faire. Non, c'est juste moi ce qui me fait peur, ça me fait penser aussi un peu à l'affaire Koué, qui a eu ça. Oui. Et ça, c'est. Alors, je ne sais pas la finalité du jugement, ou si jugement il y a eu. Si pas c'est encore. Voilà, mais ça pose toujours la question en fait du tribunal médiatique avant l'heure.
avant le jugement ou avant la condamnation. C'est juste ça. C'est-à-dire que là, on se dit, voilà, on a les faits. Évidemment, on pense à la victime. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que c'est l'info est balancée comme ça sur les réseaux sociaux de but en blanc et du coup, la machine va se mettre en route? Est-ce qu'il y a déjà des éléments suffisants qui sont derrière et l'enquête va vite arriver, enfin le jugement va vite arriver? C'est toujours ça qui est délicat quand on apprend ce genre de conversation, parce que oui, évidemment, on pense à la présumée victime et on est obligé de penser à la présomption d'innocence. Aussi, et dans un cas comme dans l'autre, on voit des catastrophes. Et on sait que ça, voilà. C'est pour ça que c'est touchy, que parce c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ça, parce qu'en plus, il reste présumé innocent, mais on sait qu'aujourd'hui, bah, les gens vont sûrement aller lui envoyer des messages, la harceler, etc. Sûr. Et donc, c'est important de dire qu'elle reste présumée victime et lui présumé innocent. Exactement, ouais, c'est, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque le plus là dans ce que vous venez d'entendre, d'apprendre? Vous auriez imaginé qu'une nouvelle comme ça, incluant Adé Laurent, puisse sortir? Non, en soi, que ce soit Adé Laurent, non, effectivement, on ne s'attendait pas. Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut même plus être surpris. Vu tout ce qui sort, tout ce qui se passe. Ouais. Coué, comme tu disais, Palma quelques mois avant. Enfin, tu vois, aussi, il y avait Elvis aussi. Voilà, il y avait tellement de gens aussi qui traînent dans ces affaires-là que moi, ça ne me choque même plus aujourd'hui. Comment se comporter en tant que média, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux? Quelle posture on peut, quelle posture on doit avoir face à ce type de, d'histoire? Pour garder un factualité, Jinda. Du factuel. Faut avoir un certain recul et rester factuel. On l'a vu pour d'autres histoires où il faut faire très attention, il faut prendre des pincettes. On connaît pas vraiment ni la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, les gens s'expriment après. On a vu aussi des histoires où on a cru des victimes qui, au final, ne l'étaient pas. Mais c'est vrai que notre position, moi, en tout cas en tant que femme, en tout cas en tant que citoyenne, en tant que personne, je vais toujours me mettre du côté de la victime dans un premier temps. Mmh. Qu'on connaisse ou pas Adé Laurent, d'ailleurs, parce qu'on l'a reçu ici. Oui, et qu'il est. Et voilà, on l'a reçu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on est obligé de faire très attention en tant que média. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est BFM le premier média à avoir relayé ça ou un autre. Actu.fr. Mais c'est l'actu. Actu.fr. Voilà, s'ils ont sorti l'information, c'est qu'ils doivent avoir des éléments. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai. En fait, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas réagir trop vite. Il ne faut pas, encore une fois, faire un procès médiatique et, voilà, et le condamner alors qu'il reste présumé innocent. Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Vraiment, n'allez pas réagir trop vite ou n'allez pas donner des conclusions trop hâtives non plus. Par contre, on peut vous communiquer. Je peux vous communiquer un petit peu la température, notamment sur X. Qu'est-ce qui se dit au moment où cette information vient de tomber? Parce que le moment, bah, vous le vivez en même temps que nous. Ben ouais. On le vit en même temps que vous. On le découvre en même temps que vous. Rien n'est préparé. On peut lire Adé Laurent, encore une menteuse, opportuniste qui veut se faire un billet. C'est X, hein. C'est X. Hein. Ah ouais. Adé Laurent accusé de yol. Pourquoi c'est tous des yoleurs? Pitié, il y en a marre. Même si c'est en 2018, ça change absolument rien au fait. Les femmes vont dire attendons que justice soit faite, comme ça Adé Laurent. Mais quand c'était Mandy, il était directement accusé de yol PTDR. Si c'est vrai alors qu'on parle de Adé Laurent, concentrez-vous, il y a zéro doute. C'est fou hein, quand même l'opinion du public, des utilisateurs des réseaux sociaux. Il est très tranché, il n'y a pas de précaution. Qu'est-ce qu'on peut lire encore? L'influenceur Adé Laurent est visé par une plainte avec constitution de partie civile selon les informations de Booba. Alors maintenant, c'est devenu Booba l'informateur. Qu'est-ce qu'on peut lire encore? Vous êtes dessus peut-être aussi. Wesh, elle m'a cru quand j'avais dit j'étais Adé Laurent. Elle est trop... Bon, il y a de tout, quoi. Je suis choqué. Voilà. Booba a mis des vidéos aussi. Je vais aller regarder Booba, c'est ce qu'on disait. Booba, il y a 23 minutes, il a tweeté. Il a posté quoi? Un flux yoleur. Avec des vidéos. Avec des vidéos, ouais. Et ça prend, évidemment. Ça prend. Non, c'est pas des vidéos du... Wow. Oui, non, mais d'Adé Laurent, voilà, avec... Il a fait le lien avec un autre influenceur qui est aussi accusé de... Évidemment, c'est viral, quoi, là, ça... Oui, c'est-à-dire que là, on est en train de vivre un moment qui est viral. Ben, c'est viral, exactement. Ben là, ça va faire toute la soirée. On voit hein, d'ailleurs les nombres de retweets. Et ah ouais, là, on peut voir sous le post de Booba, ah ouais, ça début de la fin, les rideaux sont baissés, fin du spectacle, à des shows. Faut qu'il arrête,
La blanche, le type, il est possédé, ça s'est passé en 2018, mais ça réagit que maintenant, bizarre. Son talent se retourne contre lui, à quoi bon être célèbre dans le métier. Fait bellec à la diffamation, rien n'est prouvé, c'est facile de porter plainte sans preuve. Après, on ne sait pas si c'est vrai encore, ça c'est plutôt mesuré. Voilà. Tu aimes le combat, le duc, c'est le prisonnier, ça ne m'étonne pas venant de lui. Oh, je l'aimais bien. Enfin, il y a tout un tas, c'est soit, ouais. Oh, je l'aimais bien, je suis dégoûté, le mec, il a fait ça. Ou alors, bah, attendez quand même, faut voir, voilà, il y a pas véritablement juste milieu, hein. C'est compliqué, chacun va mettre son grain de sel forcément. Si déjà avant cette histoire t'avais quelqu'un qui n'appréciait pas forcément Adé Laurent de par ses TikTok, de par ses lives, de par son contenu, bah forcément ça va le casser. Et puis à l'inverse, si c'est une personne que t'appréciais, bah tu vas essayer de minimiser les choses. Après tu avais fait référence à l'affaire Mendy, je sais plus qui a fait référence à l'affaire Mendy. Dans un tweet, Mendy, c'est vrai que ça avait pris des proportions énormes. Oui. Et au final, il a été innocenté de tout, quoi. Donc c'est risqué de se prononcer. Il faut être nuancé, en fait. Il faut être nuancé et pas de prendre trop parti pour l'un ou trop parti pour l'autre. Voilà, il faut être factuel et nuancé, je pense. De toute façon, donc, au moment où on est en live, l'information elle vient de tomber. Durant la semaine, certainement qu'énormément de candidats de télé-réalité, d'influenceurs vont réagir. C'est même quasi sûr. Ils vont donner leur avis, ils vont raconter des histoires, expliquer des souvenirs, prendre parti, le défendre ou au contraire, potentiellement dire que ça ne les étonne pas. Eh ben, on vous en parlera. La semaine prochaine, on vous en fera un sujet, un gros sujet. Je pense que déjà la semaine prochaine, il y aura un dossier. Peut-être même qu'Adé Laurent s'exprimera d'ici là. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on va vivre ce moment avec vous et on vous donnera des nouvelles. On en fera un dossier. Voilà. Bah, ça a un petit peu chamboulé notre conducteur. Complètement. On va s'arrêter là. On va clôturer ce Aja 173 là-dessus. On vous parlera de la nouvelle. C'est dommage, il était super. Faudra qu'on le fasse. De la nouvelle télé-réalité sur Sisplay. Ah oui. Qui s'appelle Les Mythos, où on a une super question parce qu'il y a la DG de Banijé, Florence Fayard, qui a dit aujourd'hui, on se positionne plus comme des producteurs de télévision, mais comme des producteurs de contenu. Incroyable. Et ça, la phrase, elle est incroyable. Non, mais la phrase, elle est incroyable. Et nous, on soulevait la question. On se disait, est-ce que les producteurs de télévision qui avaient pignon sur rue, aujourd'hui, veulent être comme les créateurs de contenu, tu vois. Quelque part, veulent les imiter. Donc, c'était un super débat, un super sujet. On va le garder. On va le garder. Oh, bah, tu sais qu'on pourrait faire des Aja Jinda avec les sujets qui ont été mis de côté. Oui, c'est vrai. Je te le promets. Le Aja dessert non. Ou après. Non, mais un jour, on vous fera le Aja de côté. Si vous le voulez. Voilà. Jeff, je te jure, c'était un plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Hein, merci. Ouais. Sympathique. Vraiment, très joli sourire en plus, hein. Merci. Dis donc, hein. Très joli. Ça y est, dis donc. Je parle pour toi, Jinda. Oh, c'est pas possible, ça. Non, elle place déjà sur Claude, c'est mort pour moi. Ouais, c'est mort. Donc, merci d'avoir été en notre compagnie. Le petit mot de la fin, Jinda, Aaron, Alexandra, qu'est-ce que vous voulez dire? Aaron, tu te laisses commencer. Allez, ouais, c'est temps qu'elle réfléchisse. Ouais, likez. Likez. Oui, oh, la guitare. Ah non, mais non, Aaron, pourquoi tu l'as lancé? C'est une belle fin. On finit en chanson, Jeff. Let's go. Allez, la régie va nous augmenter le son. C'est toujours mieux. Et j'espère que ça va vous encourager à nous liker. Parce que c'est important de nous liker. Bah oui. C'est important, très important. Vous savez qu'en fait, je sais pas jouer à la guitare. Ah, mais tu fais bien. Vous l'avez compris? Ouais, t'inquiète. Qu'ai-je fait pour mériter ça, oh baby? Qu'ai-je fait pour ne pas être liké, oh baby? J'aimerais que tu utilises ton doigt sur moi. Un petit like, ça ne te tuera pas. Crois-moi, oh qu'ai-je fait pour mériter ça, oh bébé? Qu'ai-je fait pour ne pas être liké, oh bébé? J'aimerais que tu utilises tes doigts, Alexandra. Oh, ça ne te tuera pas, crois-moi. Vous faites encore avec moi ou pas? Oui, un petit like, ça ne te tuera pas. Aussi, un petit like, un petit like, un petit like, ça ne te tuera pas. Un petit like, ça ne vous tuera pas et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle émission de Folie en votre compagnie. Prenez soin de vous. Bye bye. Oh.